Bonsoir les Nuréens, soyez les bienvenus sur votre Salut média. les amis. Écoutez les amis, pour commencer cette soirée, avant que nous n'accueillions Philippe Weber sur l'antenne de Nuréa TV pour une soirée très importante consacrée au Crop Circle, on avait envie de prendre 2-3 petites minutes pour faire un petit point avec vous, pour répondre à un article qui nous a été communiqué, qui est paru très récemment sur la presse internet. Et d'où la raison de ma présence à vos côtés, puisque je ne resterai pas toute l'émission à côté de ma belle et tendre Nora. Ne vous habituez pas. On ne sera pas tous les jours à deux sur l'antenne, mais là on avait envie de prendre 2 minutes, guère plus, pour faire un petit point, puisque justement on nous a communiqué un nouvel article qui est paru sur internet, un article, on ne va pas se mentir, à charge, un article qui se veut être une enquête sur les pratiques via Tipeee et les chaînes des youtubeurs, et un article qui utilise un visuel Nuréa TV en illustration principale de l'article, qui inclut Nuréa TV parmi toute une frange de youtubeurs aux pratiques totalement différentes et aux univers totalement différents les uns des autres, et qui cherche à créer un gros amalgame sans pousser la réflexion plus loin que ça, et surtout sans s'informer, et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer très rapidement, puisque cet article met en avant notamment des pratiques fiscales vis-à-vis de Tipeee qui ne seraient pas dans les normes, met en avant la prolifération de propos haineux ou la propagation de théories et tests complotistes. Donc on va très rapidement reprendre tous ces points un à un. Premier point, eh bien les propos haineux. Là, on ne va pas se tarder là-dessus, les amis, parce que pour toutes celles et ceux qui ont l'habitude de nous rejoindre, d'échanger, de partager sur Nuréa TV, vous savez que, eh bien, on est un petit peu l'antithèse de ce genre de propos. Ce qu'on défend et ce qu'on met en avant, c'est le respect, la liberté d'expression et le respect de la parole de chacun. Donc, on ne va pas s'attarder plus que ça, mais c'est le premier point qui montre que Nuréa TV n'avait pas grand-chose à faire au milieu de cet article un petit peu mensonger. Le deuxième point, ça concerne les propos complotistes. Là aussi, on a envie de dire, les amis, effectivement, quand on aborde des sujets, des thèmes qui sortent totalement de ce qu'on peut retrouver dans les médias mainstream, on a très facilement tendance à se faire cataloguer parmi les médias complotistes. C'est un jugement de valeur. Voilà, on ne peut rien y faire à ce moment-là. C'est vrai que si on parle de vie après la mort ou d'extraterrestres, certains peuvent nous qualifier de complotistes. Maintenant, c'est vrai que j'utilise toujours cet exemple. Si on organise un anniversaire et qu'on est nombreux à le faire et tout ça, qu'on complote un petit peu pour organiser quelque chose, on est dans le complotisme. Donc, ça peut être très très large et on peut y mettre tout ce qu'on veut. Le Donc, complotisme voilà. va très loin. Moi, personnellement, j'ai envie de vous dire, les amis, Roswell, je suis persuadé qu'on ne nous a pas tout dit. Si ça, c'est être complotiste, je le revendique, je le suis un petit peu. Pour le reste, et certaines théories un petit peu plus fumeuses, il me semble que sur Nuréa TV, on arrive à faire le tri de ce genre de choses, de par les thématiques qu'on aborde et puis le filtre Après, qu'on met sur le choix de notre ligne éditoriale. Donc, sur cette partie-là, complotiste, on tenait à répondre aussi. Tout ça est un jugement de valeur, comme l'a dit Nora. Et nous, en tout cas, on ne se considère pas comme tel. Et dernier point, et peut-être le plus intéressant, parce qu'il va vous permettre de comprendre comment fonctionne le journalisme à l'heure actuelle. Au milieu de cet article, encore une fois, où Nuréa TV est mis en avant, de manière assez défavorable, il faut le dire, et bon, c'est un on article... On est plus dans cette dernière partie dont tu vas parler, hein, finalement. Exactement. Dans cette partie où il est question des pratiques frauduleuses d'un point de vue fiscal via les plateformes telles que Tipeee, qui permettent à des auditeurs de médias ou de toute autre activité d'aider à financer ces activités-là. Sur Nuréa TV, vous le savez, on a plusieurs moyens qui vous permettent, si vous le souhaitez, encore une fois, de nous soutenir financièrement. Il y a des gens qui font des dons via PayPal, il y a des gens qui utilisent la plateforme Tipeee. Et Nuréa TV est une SARL immatriculée en France. À ce titre, nous sommes assujettis à la TVA. Et cette TVA, eh bien, puisque nous, on tient à être parfaitement clair là-dessus, nous payons 20% de TVA à l'État français sur tous les dons que vous pouvez nous verser, que ce soit par chèque, par PayPal ou par Tipeee. On va même vous dire une chose, lors des réunions, des premières réunions avec notre expert comptable, quand on a décidé de mettre en place ce fonctionnement-là, l'expert n'était pas tout à fait certain qu'on soit obligé de payer 20% sur cet argent-là. Et nous, en accord avec lui, on a décidé de le faire quand même pour être totalement dans les règles et pour être sûr, quoi qu'il arrive, d'être parfaitement dans les clous vis-à-vis de l'État français, de la fiscalité qu'il applique à notre société. Donc, on a envie de dire à la journaliste, devrais-je dire, journaliste... Donc, fiscalité obscure et financement source d'interrogation, un coup de fil, un mail, un coup de fil. Voilà. Ça aurait été très simple Madame et rapide en termes de journalisme. En 5 minutes, en prenant contact avec nous, vous auriez pu savoir que Nuréa TV était, de ce point de vue-là, parfaitement géré, parfaitement légal, et que nous n'avions aucun souci à nous faire vis-à-vis du fisc français. Ou même juste une visite sur le site, dans la partie qui est claire et visible de tout le monde, la partie financement, juste ça, ça aurait été pas mal. C'est la base, visiter le site qui est nommé et dont on se sert pour faire l'entête de cet article quand même. Tout ça pour dire que sur Nuréa TV, les attaques
on commence à avoir un petit peu l'habitude. Effectivement, Nura TV est un média qui grandit petit à petit, progressivement, mais nous grandissons chaque mois un peu plus. Il y a peut-être des personnes que ça dérange, peut-être d'autres que ça gêne, que ce soit pour le contenu ou par la taille et l'influence que nous prenons. Ce que nous tenons à dire, c'est que après avoir démontré que non, nous n'achetions pas d'abonnés YouTube, ouais, après vous avoir démontré que nous ne payons pas les intervenants pour avoir l'exclusivité sur les contenus qu'ils partagent avec nous, toutes sortes de ragots qui sont propagés sur la toile. Cette fois-ci, c'est des gens qui se prétendent journalistes et qui propagent sur le net des choses qui sont totalement fausses, pour ne pas dire diffamatoires. Donc, encore une fois, nous ne pouvons que vous encourager, les amis, lorsque vous voyez ce genre d'informations, à aller vérifier par vous-même. C'est ce qu'on fait pour toutes nos émissions. On vous encourage à faire vos propres recherches parce qu'une fois encore... Mais même ça, ça nous est reproché. Tu sais, ils nous reprochent de dire à nos téléspectateurs de vérifier, de faire leurs propres recherches. Exactement. Donc, on vous incite quand même à le faire et on incite la journaliste à faire ses propres recherches et de ne pas suivre le témoignage d'une personne qui a dit n'importe quoi. C'est trompeur, c'est erroné, c'est diffamatoire. Là, on est clairement dans l'article qu'elle a cité elle-même, l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 du droit français. Donc, je vous invite à le relire parce que c'est important. Maintenant, cette journaliste est stagiaire. On a fait des petites recherches vite fait. Donc, voilà. On va lui accorder le bénéfice que cette dame est en courte formation, qu'elle apprend son métier, que le titre journaliste se mérite. Ouais. Nous, on conclura sur une dernière chose, les amis. Je sais que vous êtes déjà au courant, mais ça vaut toujours la peine de le répéter. Le titre de journaliste n'est pas synonyme de neutralité, d'intégrité et d'honnêteté. Donc, faites vos recherches vous-même. Mm-hmm. Vous n'êtes jamais que vos meilleurs guides. Et en tout cas, on vous remercie encore une fois pour votre confiance et votre fidélité. Et sur ce, on vous a dit qu'on ne prendrait pas beaucoup plus longtemps, donc on va s'arrêter là. On fait un gros bisou aux médias qui nous a gratifié d'un bel article. Toute publicité est bonne à prendre, rassurez-vous, Nurea TV continuera à grandir. Avec vous à nos côtés, on sait qu'on y arrivera. Oui. Et sur ce, moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée parce que ce soir, c'est avec Philippe Weber que ça se passe sur l'antenne de Nurea TV. Et on va parler d'un sujet qui, encore une fois, n'est pas abordé dans les médias mainstream puisque ce soir, c'est les crop circles qui sont à l'honneur. Passez une bonne soirée, les Nuréens. Bonne soirée, Manora. Merci, Guillaume. À très bientôt, les amis. Merci. Ciao. À bientôt, Philippe. Au revoir. Bonsoir, Philippe. Comment vas-tu? Excuse-nous pour ce petit démarrage de précision, mais des fois... il faut, donc c'est fait, et on n'en parle plus, et on avance. Je comprends bien, il faut avancer dans la vie. Écoute, pour ce qui me concerne, je vais très bien, chaudement, mais bien, et j'ai plaisir à te retrouver pour ce soir avec, bien sûr, tous les auditeurs. Merci beaucoup, merci de nous avoir retrouvés ce soir. Donc ce soir, c'est un sujet que j'apprécie beaucoup, c'est le sujet des crop circles. Donc c'est vraiment un gros dossier, c'est une bonne base pour commencer à faire des recherches dans l'ufologie, de s'attarder un petit peu sur ce phénomène assez étrange. Alors est-ce qu'il s'agit de land art, donc on va dire art urbain qu'on peut faire un petit peu à gauche et à droite, certains le font effectivement. Est-ce qu'il s'agirait d'un phénomène étrange voire exogène? Est-ce que ça serait finalement une action militaire ou autre, ou des tests ou autre chose, ou on est en droit de se poser des questions. Depuis plusieurs années, c'est un sujet qui interroge, et j'aime bien qu'on prenne le temps de temps en temps sur Nurea TV, même si nous l'avons déjà abordé, de pouvoir remettre un petit peu les informations de base au goût du jour, parce que vous êtes nombreux à nous retrouver sur Nurea, je vous en remercie beaucoup. Donc pour les nouveaux arrivants, ceux qui ne connaissent pas le dossier, n'hésitez pas, c'est votre soirée, vous pouvez en profiter. Et pour les autres qui connaissaient le dossier, n'hésitez pas à poser vos questions et vos commentaires, ça se passe sur www.nurea.tv. Sous la vidéo, vous avez un petit espace commentaire, vous pouvez rafraîchir les commentaires histoire de voir les derniers commentaires mis en place. Et donc allez-y, ce soir Philippe est avec nous pour parler de ce sujet-là. Il y a d'autres intervenants que nous avons reçus sur Nurea TV sur le thème des crop circles comme Umberto Molinaro ou Daniel Aran, ou encore d'autres personnes donc, qui en parlent. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour, à taper Crop Circle sur le moteur de recherche et vous allez voir les différents ouvrages de nos intervenants et d'autres personnes, ainsi que les différentes émissions qui sont en accès libre. Informez-vous, c'est un sujet passionnant, un dossier vraiment passionnant. Et là, il y a de la matière, il y a quelque chose, c'est ce que nous allons voir ce soir avec toi Philippe. On va essayer de se baser là-dessus justement sur le titre, donc les preuves scientifiques sont là. Quelles preuves on pourrait avoir, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait se dire c'est quand même assez étrange, c'est inexpliqué jusqu'à ce jour. Et voilà, on va développer un petit peu tout ça ce soir en ta compagnie. Donc,
sans plus attendre et en faisant un petit bisou aux Nyréens qui nous retrouvent ce soir, je vais regarder vos commentaires et vos questions au fil de la soirée. Est-ce que tu aurais une introduction sur les crop circles? Je sais que toi, tu es allé sur place. Tu as vu des crop circles sur place. Peu après qu'ils aient été faits, tu as pas mal de petites anecdotes sur les crop circles. J'espère que tu nous partageras un petit peu ça ce soir aussi. Ce serait intéressant. Mais voilà, tapis rouge sur le dossier des crop circles. Et n'oubliez pas, les amis, si ça vous interpelle, si ça vous interroge en quoi que ce soit, faites aussi vos propres recherches et ramenez-nous vos compléments d'informations. C'est aussi très intéressant d'avoir des échanges comme ça sur la partie commentaires sur Nuria TV. Alors Philippe, comment pour introduire ce sujet? Alors pour l'introduire, ben, je vais rebondir sur ce que tu dis Nora. C'est effectivement, je suis un grand routier du pays des crop circles. Ça fait plus de 20 ans que j'y vais. Au début avec des amis, ensuite j'accompagne des groupes hein, tous les ans. Donc j'ai une passion pour ça et tous les ans j'apprends des choses nouvelles. Alors comme tu l'as dit Nora, j'ai déjà fait plusieurs émissions crop circles sur Nuria. Celle-là, elle va être particulière et c'est un peu ce qu'on avait convenu ensemble et je trouve ça très bien, sur des preuves scientifiques. Je suis moi-même scientifique et par moments, il faut se raccrocher à des choses, je dirais, tangibles au niveau de la science. Donc, c'est une présentation inédite que j'ai jamais faite, mais que j'ai eu plaisir à préparer pour vous montrer justement ces preuves scientifiques. Il y en a plusieurs, elles sont très variées. Et j'aimerais sortir de cette fameuse dualité, parce que là, on est en plein là-dedans, sur le « j'y crois pas », donc sur la notion de croyance par rapport à ce phénomène, et puis aussi sur, pour les crop circles, les vrais et les faux. Voilà. J'en ai déjà un peu parlé, je ne vais pas en reparler forcément ce soir, mais je vais m'attacher à vous montrer que derrière ces formes dans les champs de blé, il y a vraiment une science, je dirais même des sciences, qui nous dépasse complètement. Et c'est ce que je voulais mettre en avant ce soir. Voilà, Nora. Alors, bah, écoute, c'est parti. Genre, t'es dit, on va traverser les champs ce soir. Ouais, on y va. J'espère que vous avez votre pique-nique, les amis, de votre côté, pour se poser tranquillement sur un champ de blé. Alors, cercle de culture, crop circle. Voilà. Donc, les crop circles, c'est un phénomène mondial. Alors, je vais passer quelques diapos au début pour resituer le contexte, surtout en Angleterre. Et après, on va démarrer les preuves scientifiques. Alors, je vous rappelle que ce phénomène a lieu dans tous les pays du monde, y compris la France, que le centre de densité la plus importante, c'est l'Angleterre. C'est pas loin de chez nous. Vous voyez, c'est l'Angleterre du sud-ouest. C'est facile d'accès, un petit coup de train, un coup de bus et on est arrivé. Voilà. Je me rappellerai toujours la première année où j'ai été en Angleterre, les Anglais qui m'accueillent en disant « Bienvenue, toi le Français ». Jusqu'à maintenant, on avait des Américains, des Japonais, des Australiens, des Allemands, mais les Français, rien, personne. J'étais un des premiers. Voilà. Donc, je suis fidèle et j'y retourne tous les ans et tous les ans, j'apprends des choses. Alors, ça se passe dans le Wiltshire, donc c'est la région qui est en rouge. Où vous avez quasiment 95% des crop circles anglais. Alors, je vais déjà répondre à la question, pourquoi cette région? Maintenant, je peux répondre de manière quasiment ferme. C'est lié à l'énergie de cette région et au passé de cette région, puisque les crop circles nous renvoient sur des anciens sites. Voilà. Et on va le voir dans les prochaines diapos. Ok, j'y vais. Oui. Alors là, je fais un zoom sur la région entre Avebury et Stonehenge. Stonehenge est très connu mondialement, on en reparlera après. Avebury peut-être un peu moins, mais pour les Anglais, c'est important. C'est un magnifique village anglais, vraiment typiquement anglais. Et le monde spirituel dit que Avebury, c'est le chakra du cœur de l'Angleterre. Voilà. Chaque pays a son chakra du cœur et je pense qu'effectivement, c'est un lieu très particulier. Et vous voyez donc là, de manière succincte, les petits points orange, c'est la densité des crop circles. Vous voyez que cette densité, elle est très concentrée sur Avebury, sur un cercle d'un rayon, on va dire 15 km à peu près. Et après, ça se diversifie pour aller sur Stonehenge et puis Glastonbury qui est un petit peu connu est complètement en bas à gauche. Voilà. Et là, il y en a nettement moins. Voilà. Alors, pourquoi? Ben parce que, justement, c'est une région hautement énergétique. Dans tous mes groupes, j'ai des géobiologistes, j'ai des voyants. Et c'est vrai qu'on fait des expériences assez incroyables tous les ans
pour confirmer ça. Ok, j'avance. Oui, tu peux avancer. Alors voilà, quelques photos pour situer le contexte pour les personnes qui ne connaîtraient pas le phénomène, auquel cas je vous renvoie sur les conférences qui ont été faites par Nuria et moi-même ou d'autres intervenants depuis au moins 2 ans. Déjà, la première remarque, c'est la perfection des formations. Hein, là, vous avez une photo, les cercles sont parfaits, les lignes droites sont vraiment rectilignes, c'est vraiment comme tracé au laser. Et puis, quelque chose d'intéressant sur le devant de la photo, c'est le fait que par moment, donc les tiges sont couchées, mais pas pliées, hein, il y a le respect de la vie, et c'est superposé, à tel point que j'ai vu des formations où c'était tressé comme un panier, tous les mètres à peu près. Oui. C'est un dessin très, très surprenant pour vous montrer que ce phénomène intelligent peut construire voilà, des paniers. Alors, je n'ai pas sorti la photo ce soir, mais je vous invite à regarder sur Internet. Donc, pour vous montrer que ce phénomène est précis et compliqué à la fois, puisqu'on peut avoir des phénomènes voilà, superposés. Et j'ai même vu de mes yeux quelques tiges de blé qui étaient torsadées entre elles sur 5 ou 6 tiges, mais vraiment comme si c'était tressé. J'en croyais pas mes yeux. Donc, vous voyez, la précision, ça va jusqu'à la tige de blé. Et ça, c'est assez incroyable. Il y a celui-ci qui est magnifique. Alors, c'est mon préféré. Toi aussi, Nora, moi j'imagine, aussi, ouais. 460 cercles à peu près. Donc, c'est une fractale, puisque l'image, elle se répète. Hein, c'est donc un modèle mathématique en termes de fractale. Je donne l'histoire de ce crop circle qui est immense, hein, puisque entre les traces de roues de tracteur, vous avez à peu près 25 mètres. Hein, donc, ça vous donne l'échelle du crop circle. En fait, il y avait un Hollandais qui avait repéré le champ, parce que c'est un champ où il y a des formations de manière régulière. Il avait campé, il a fait du camping sauvage à côté. Il a surveillé toute la journée. Il n'a rien vu de particulier. Il se couche le soir. Et dans la nuit, il y a une pluie diluvienne. Il a plu énormément. Et le lendemain matin, il était en colère puisque la pluie avait traversé la tente. Il était trempé. Il a dit, bon, c'est terminé, je m'en vais. Il la plie rapidement et il s'en va. Et là, il y a un Anglais qui lui téléphone. Il dit, mais tu étais à côté, tu ne l'as pas vu. Il est sorti cette nuit. Il dit non, j'ai rien vu du tout. Il m'a montré la photo et il était fou de rage, puisqu'effectivement, il n'a même pas eu l'idée de cette magnifique formation. Cette formation a été très éphémère. Elle a duré que 2 heures le matin, puisqu'à 10 heures du matin, le fermier était en colère et il l'a moissonné, enfin, disons, rasé. Donc, heureusement qu'il y a eu un avion qui a décollé le matin, comme les Anglais savent bien le faire, pour prendre cette photo. Et cette photo va rester pour les générations futures. Donc, la personne qui a campé à côté, est-ce qu'elle a entendu un bruit, quelque chose ? Non, rien, rien du tout. Il y a eu un phénomène curieux avec les blaireaux. Il y a beaucoup de blaireaux dans les champs en Angleterre. Oui. Et l'après-midi, ils se promenaient dans ce champ-là. Voilà. Ils n'avaient rien repéré d'anormal, mais les blaireaux sortaient de leur terrier de manière assez angoissée, précipitée, et quittaient le champ. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, vous voyez que les animaux étaient avertis d'un phénomène à travers des ondes certainement très subtiles, hein, comme les tsunamis. Vous savez que les animaux ont la faculté à recevoir et à transmettre. Lui, en tant qu'être humain, ben, il n'a rien compris. Il est resté comme un idiot dans le champ et les blaireaux sont partis. Donc, c'était comme pour dire que le phénomène se préparait. Et de toute façon, le phénomène, quand il a lieu, il ne tombe jamais sur des êtres humains. Pour nous préserver parce que l'énergie est quand même très forte. D'accord. Intéressant de voir les animaux et leur comportement aussi. Oui, tout à fait. Il y a eu peu de témoignages comme ça dans les crop circles. Alors, quelques diapos sur le fait, et pour moi c'est très important, pourquoi les crop circles ? Une première réponse, c'est que ça nous renvoie à des sites anciens. Pour peut-être revisiter différemment avec un autre regard ces sites. Comment les anciens donc ont repéré l'énergie, hein, ils n'avaient pas de pendule, pas d'antenne de léchère à l'époque, ils faisaient tout dans le ressenti. Ils ont placé ces monuments avec des mégalithes, avec des aliments. Vous savez que Stonehenge, on la qualifie d'une horloge astronomique très précise. Et puis, comme par hasard, bah, le champ qui se trouve en face, vous voyez, donc
sur la photo, a été impacté par un crop circle, une spirale logarithmique magnifique. Alors ça, c'est déjà assez vieux, c'est dans les années 94, 96, je ne sais plus trop. Oui. Et c'était magnifique, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de visiteurs sur Stonehenge, et les gens qui avaient visité Stonehenge ouvraient les yeux, regardaient, mais qu'est-ce qu'il y a en face ? Parce qu'en fait, c'est une colline, et on voit très mais bien la formation, voilà. C'est vallonné, donc on voit très bien la formation. Et du coup, tous les visiteurs de Stonehenge, pendant plusieurs semaines, ont été en face, visités. Le fermier était d'accord pour la visite. Et du coup, voilà, on a pu visiter en même temps un crop circle. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Il y a Rosa qui dit « Pourquoi ne trouve-t-on des crop circles que dans certains endroits en particulier ?» Là, effectivement, c'est très particulier. Est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose comme, par exemple, les énergies telluriques Oui, c'est exact. Avec ça là où il y a déjà des sites anciens, l'énergie est importante, donc c'est proche de ces lieux. Ensuite, sur le plan du tellurisme, un jour, j'ai fait une étude très pointue pendant 2 heures avec des géobiologues. Et on s'est aperçu que c'était aligné sur les réseaux qui sont bien connus, comme les réseaux argent, or, Curie, Hartmann, etc. Et que le crop circle, le centre du crop circle, n'était pas posé au hasard. Il y avait donc une raison énergétique. Donc, on avait passé 2 heures à faire ça. Et là, je peux confirmer qu'effectivement, c'est le cas. OK. Entre autres choses, peut-être. Oui, entre autres choses. Alors, c'est un sujet tellement compliqué, oui, je dirais multidimensionnel. C'est le sujet où il ne faut jamais fermer de porte. Voilà, jamais de fermer. Moi, le premier. Ouais. Et puis, tous les ans, je me repose des questions et j'ai des réponses quelques années après ou pas du tout. Mais aujourd'hui, j'ai quand même ce soir pas mal de matière pour vous donner des hypothèses de calcul. Je ne veux surtout pas vous convaincre, hein, ce n'est pas du tout mon objet. C'est vous dire, vous ouvrez des portes et peut-être qu'il y a des portes qui vont vous intéresser en disant « Ah oui, ça me parle. Voilà. » C'est un peu l'objet de cette thématique. Alors, un autre lieu aussi bien connu, c'est le tumulus de West Kennet Long Barrow, qui se trouve pas très loin d'Evebury, qui est très bien conservé. Donc, c'est une allée couverte avec de la terre qui est assez longue, donc la partie verte. Et sur le devant, vous avez des mégalithes, c'est l'entrée du tumulus, mais on ne fait qu'une partie, à peu près un tiers du tumulus. Alors, c'est un lieu qui a été conservé par les Anglais, qui se visite sur le plan touristique, l'entrée est entièrement libre. Très intéressant comme lieu. J'en ai parlé, tu sais, Nora, dans la dernière conférence, où une réponse que j'avais eue, enfin, par plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas, c'était un lieu de préparation pour que les femmes puissent s'accoucher. Tu t'en rappelles ? Oui. Oui, oui, voilà. Oui. Donc, voilà, c'est ce tumulus-là. Donc, il y a quelques lieux que les anciens faisaient de cette manière-là. Et là, de manière quasiment formelle, puisque je l'ai eu par plusieurs personnes, donc c'était un lieu de préparation à l'accouchement à l'intérieur des alcôves. C'est très bien conservé. Et en face, dans le champ que vous voyez, eh ben, quasiment tous les ans, ou au moins un an sur deux, vous avez un crop circle, simplement pour nous renvoyer au tumulus et nous dire... Ben voilà, donc regardez de plus près ce que savaient faire les anciens. Ok. Il y a... Alors attends, je vais juste enlever le partage d'écran parce qu'il va falloir que j'en mette un autre parce que j'ai une question, ou en tout cas une remarque de Alain qui dit « Premier crop circle en France à Saraltrof le 16 juin 2018 ». Oui. Alors, il y en a eu d'autres. Voilà, je voulais juste préciser ça. Alors, peut-être que tu parlais le premier de cette année, mais au cas où, on a eu un Uréen qui nous a partagé donc, quelques images, photos, en tout cas quelques informations, en tout cas son témoignage, parce qu'il est allé donc, sur ce crop circle. On s'en sert, oui. Et c'était un article qu'on a posé, voilà, ma visite du crop circle de Crézancy en Sancerre, de Jérôme. Donc, c'était en France, avec donc, toute une explication, ce qu'il a ressenti sur ce crop circle. Et là, vous allez pouvoir, donc vous avez une petite vidéo, oups, peut-être enlever le son, où des fois, je fais des montages avec un son assez puissant. Et donc, voilà, vous avez ce crop circle-là l'année dernière en France. Donc, c'est un petit peu partout à travers la planète. Ce n'est pas seulement en Angleterre. Il y en a un petit peu partout, mais c'est très concentré en Angleterre, effectivement. Ouais. Alors, merci de l'information. Oui, en France, il y en a régulièrement, moins qu'en Angleterre. Donc, Sancerre, c'est dans le Cher. Et je sais de mémoire qu'il y a d'autres années où on a eu ça aussi dans le Cher. Et j'ai un ami qui m'a téléphoné de Strasbourg
Il a été sur place, il a fait une petite expertise. C'était il y a 15 jours, peut-être près de Strasbourg. Il y a aussi une formation significative. Bon, j'ai pas eu le temps de creuser, mais je sais que voilà, tous les ans, il y a quelques formations en France. Oui, et d'ailleurs, Alain me le confirme, oui, c'était pour dire que c'est le premier de cette année. Cette année, c'est ça. On est raccord. Donc, merci pour n'hésitez pas, le moteur de recherche en haut à droite sur Nuria TV, une toute petite loupe microscopique, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Crop Circle et vous allez tomber donc sur les articles, les vidéos, les infos. Voilà, n'hésitez pas, vous allez voir qu'il y a effectivement beaucoup de Crop Circle à travers la planète et cette année, il y en a eu en Italie aussi. Donc, c'est parti, la saison, ça fait un petit moment qu'elle a commencé cette année. En Italie, il y en a de plus en plus. C'est surprenant, mais de manière moins concentrée qu'en Angleterre. Ouais. Alors, je reviens sur l'Angleterre. Vous avez cette fameuse colline artificielle construite de main d'homme qui s'appelle Silbury Hill, qui est très connue. C'est quasiment la plus grande d'Europe, qui interpelle. Donc là aussi, il y a eu des recherches archéologiques. Et le champ que vous avez est celui qui est diamétralement opposé. Vous avez des formations tous les ans. Alors, je vous ai montré cette photo parce que pour moi, elle est assez exceptionnelle pour aussi décoder le symbolisme. Vous voyez que vous avez ici un crop circle avec un escalier. C'est très rare, il y en a eu deux, je crois, simplement. Et sachez que par temps de neige sur Silbury Hill, vous voyez un escalier sur la face que vous voyez de manière nette. Alors, quand il y a l'été avec de la verdure, de l'herbe, on ne voit rien du tout, c'est complètement aplati. Mais vous savez que la neige a la faculté à faire ressortir le relief. Et du coup, ça pourrait ressembler à une pyramide Maya. Apparemment, c'est une pyramide où il n'y a qu'un escalier et pas quatre escaliers. Mais c'est interpellant. Ça, vous voyez que le crop circle nous rappelle la mémoire de l'escalier, l'escalier face à l'escalier. C'est aussi une manière de décoder certains crop circles. En effet. Alors, on va aller sur Avebury. Là, vous avez une photo magnifique du corps du dragon d'Avebury. Donc, en fait, c'est une allée de mégalithes qui est bien conservée pour la moitié du parcours, à peu près, qui arrive sur Avebury. Alors, avec des géobiologues, lorsque vous prenez les antennes, ben, vous suivez complètement le flux tellurique. Ça s'appelle, dans le jargon des géobiologues, une vouivre. Alors, la vouivre, ça, c'est une vouivre importante qui fait 7 km de long. Et du coup, les anciens avaient identifié ce courant d'énergie. Et comme par hasard, les crop circles sont autour de ce courant d'énergie. Donc, simplement pour dire que Avebury est un peu le centre de gravité des crop circles parce qu'il y a cette fameuse vouivre qui alimente l'énergie de la région. Et les crop circles, comme des points d'acupuncture, réactivent cette énergie. J'aime bien l'idée des points d'acupuncture. Notre Terre est en souffrance. Bon, ceci dit, elle évolue quand même vers la 5D tranquillement. Peut-être que les crop circles, c'est un moyen, pas forcément de guérison, mais d'évolution accélérée. Vous savez que la fréquence de la Terre, et j'ai fait une émission là-dessus, monte de plus en plus. Et peut-être que les crop circles ont facilité cette accélération. Oups. C'est bon, tu m'entends? Effectivement. Oui. Et j'ai une question de Rosa qui demande de quand date le premier crop circle et dans l'histoire, y en a-t-il eu d'autres? Très, très vieux. Quand on interroge les aborigènes d'Australie, ils nous disent, les anciens nous parlaient de cela. Alors, à l'époque, c'était simplement des formations circulaires dans, non pas du blé, mais de l'herbe, ou des herbes un peu hautes. Donc, ça fait partie de la tradition des aborigènes. Après, il y a eu des documents beaucoup plus précis en 1600, où le blé était fauché. Et à l'époque, les commentaires... Almanac, oui, je me souviens de l'image avec ce blé fauché par un diable. C'était la légende qui courait. Voilà. C'était l'œuvre du diable parce qu'on n'arrivait pas à expliquer les choses. C'est quand on n'arrive pas à expliquer les choses, il y a toujours une explication maléfique. On parlait du diable à l'époque. Donc, il y a eu des livres, des écrits là-dessus dans les années 1600. Alors, je pense que ça a toujours existé, mais aujourd'hui, le phénomène devient très complexe, très visible. Jusqu'à interroger des mathématiciens de haut niveau qui font des études très pointues dessus. Donc, vous voyez que ça va loin aujourd'hui. J'enlève le partage d'écran. Je vais revenir juste sur un commentaire de DXGX donc, qui a cité une partie d'une lettre humite. Donc, je ne peux pas faire autrement que de la lire. Désolée. D'accord. Donc, voilà ce que dit cette lettre NR-17.
Vous vous étonnez des agroglyphes qui apparaissent spontanément au sein de vos champs. Un grand nombre de vos frères croient réellement que des OMI humains farceurs munis de simples planches de bois sauraient en être à l'origine. Quand cessera cette ingénuité ? Oui, ces signes sont tracés dans leur grande majorité par des OMI, donc des humains, voyageurs extérieurs à votre planète. Ils ne sont pas de notre fait, mais nous connaissons la race d'OMI qui les produit. La moralité de ces OMI est élevée et nous ne réprouvons pas leurs actions. Leur objectif n'est pas simplement d'exercer une forme d'expression artistique au détriment de vos récoltes, mais bien de provoquer une prise de conscience progressive de la réalité extraterrestre par une interrogation légitime concernant la provenance de ces signes. Alors, j'ai pas la date de cette lettre. DX, si jamais tu as la date, tu as le courrier sous la main, si tu peux nous donner la date, ce sera intéressant d'avoir cette information-là. Mais voilà, donc... L'être humide, les humains, je vous invite à taper ça aussi dans le moteur de recherche de Nuria TV, c'est blindé d'informations, les gars, donc là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Mais c'est vrai que ce qui est dit, ça interpelle, alors on garde l'info. Oui, oui, ça résonne bien. Merci Nora, parce que je sais que tu es une spécialiste des humides et ça donne un autre éclairage. Je confirme tout à fait, et je dirais même pas plus que ça, il n'y a pas un créateur de Crop Circle, mais des créateurs de Crop Circle. On s'aperçoit qu'il y a des familles, qu'il y a des énergies différentes, il y a des symbolismes différents. Et je pense qu'il y a des créateurs de Crop Circle sur d'autres plans, d'autres dimensions. Donc, je confirme tout à fait cet écrit. C'est vrai que quand on finit par se poser plein de questions d'un côté et qu'il nous reste cette option, on va être plus affirmatif là-dessus. Mais vraiment, les amis, n'hésitez pas à mettre du conditionnel. Je pense qu'au fil de la soirée, et pour Philippe et pour moi, on va finir par enlever le conditionnel. Ça arrive sur certains dossiers, surtout ceux qui sont passionnants, sur lesquels on reste depuis pas mal d'années, même nous, qu'on a pu fouiller. Donc, on vous invite, vous, à mettre du conditionnel. Mais c'est vrai que là-dessus, le côté exogène ou autre... Ça pourrait expliquer certaines choses, en tout cas expliquer l'inexplicable. Ça resterait une point d'interrogation. Exactement. Mais... Voilà. Allez, hop, on poursuit. Donc, le corps du dragon, on était là-dessus. On va continuer. Alors, la diapo suivante. Oui, hop, je vais faire à l'écran. Et voilà. Alors, voilà. Donc, là, c'est un dessin qui résume bien la situation. Au centre, le grand cercle, c'est Avebury. En fait, c'est un village qui est entouré par un grand fossé. Et à l'époque, il y avait deux petits cercles à l'intérieur, toujours l'histoire des polarités masculin-féminin. Et puis, vous avez ce dragon, donc une vouivre, la queue à gauche, la tête à droite. Et à droite, vous avez un petit cercle qui s'appelle le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu-dit, le nom que les Anglais ont donné. Vous avez donc au milieu une colline, donc c'est toujours la même colline, c'est Silbury Hill, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, une rivière qui passe au milieu, c'est la rivière de Kennet. D'ailleurs, il y a une source sacrée, il y a des lieux magnifiques à voir. Et ce que j'en déduis, c'est qu'à l'époque, c'était actif tout cela. Le fossé était rempli d'eau. Aujourd'hui, c'est complètement à sec. Et que l'eau était redynamisée par justement la science des anciens. Et c'était une manière de redonner la vie à l'eau. Voilà, ça c'est ma version à moi, mais bon, c'est ce que j'ai un petit peu entendu aussi sur place. Actuellement, le site, c'est vrai que il y a moins d'eau, sauf que autour de Silbury Hill, c'est une zone marécageuse, donc par temps d'inondation, il y a de l'eau autour de Silbury Hill. Donc, je dirais, il y a toute une géométrie sacrée autour de la colline d'Avebury, du dragon, de la tête du dragon, etc. Comme pour le Machu Picchu, un jour je ferai aussi des commentaires là-dessus, vous savez que Machu Picchu répond à une structure énergétique très particulière aussi, que les Incas ont mis en avant. Et bien là, c'est la même chose, mais on l'a en Angleterre. J'ai l'information qui nous vient de Alain concernant la lettre humite. Donc c'est la lettre humite NR17, date de poste. Enfin, ils l'ont postée le 5 septembre 2003 et reçue le 8 septembre 2003. Donc au début des années 2000, dans cette période, il y a eu aussi beaucoup de crop circles. Je me souviens, il y a une saucée de crop circles, plein de crop circles très détaillés. Ils ont été très complexes début des années 2000, fin 90. Au début, on était sur du crop très très simple.
une géométrie très simple, et ensuite ça s'est envolé. Donc oui, dans cette période de grosse interrogation, cette lettre est arrivée. C'est une option, c'est une information qu'on met dans un coin de la tête et on avance avec ça. Et j'ai vu une autre personne, je suis désolée, j'ai oublié ton prénom, mais qui nous disait donc de toujours avoir cru, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et pourquoi pas encore demain, que, voilà, Gilles, pardon, je pense que je vais en choquer quelques-uns, j'ai toujours cru que les crop circles étaient des fakes, que c'était des personnes avec des planches et des cordes qui les faisaient pour faire courir les rumeurs. Ou alors pas tous, je ne demande qu'à en apprendre plus sur le sujet. Bon, ben, écoute, t'es au bon endroit, justement, on va parler de ces fameuses planches et cordes. Bon, ben, les planches, on en a déjà parlé, donc pour faire un résumé, parce que c'est pas la thématique de ce soir. Oui, effectivement, il y a eu deux retraités qui l'ont fait pendant des années avec des planches et des cordes. Ensuite, ça a été repris par d'autres personnes. Donc, il y a des faux, c'est clair, ça je le renie pas. Mais ce qui m'intéresse ce soir, ce sont les vrais, dans le sens où il y a une science par derrière, il y a un savoir, quelque chose qui nous dépasse aussi. Et c'est ce que je voulais mettre en avant ce soir. Ok, et il y a aussi des choses factuelles, des étrangetés sur les lieux. Oui, oui, tout à fait. Alors voilà, on va faire un petit peu de géométrie, mais pas longtemps, parce qu'il y a eu des émissions là-dessus. Mon ami Umberto donc, l'a largement expliqué. Simplement pour vous dire que les crop circles ne sont pas construits par hasard. Déjà, quand on les regarde, souvent on me dit c'est un côté esthétique. Vous savez que les Anglais, ils font même des t-shirts pour, je dirais, réénergiser vos corps énergétiques. Hein. Donc ça se fait, c'est de la thérapie, quasiment de la thérapie énergétique. Donc là, c'est un exemple. Vous voyez donc des arcs de cercle. Bon, comme ça, c'est beau, c'est sympa. Lorsqu'on fait une analyse plus fine, simplement pour vous dire que c'est basé sur quatre cercles. Vous avez les dimensions donc en haut. 60 mètres, 48 mètres, 30 mètres et 12 mètres. Donc, il y a une structure basée sur ces quatre cercles. Et ensuite, vous avez une construction qui se fait avec un décalage de centre à chaque fois. Alors, quand on regarde rapidement, il y a quelque chose qui est plaisant, il y a une harmonie qui se dégage. Souvent, on retrouve le nombre d'or, ce n'est pas construit par hasard. Alors après, si vous avez un peu de temps, je vous invite à regarder cette diapo de plus près, ou même mieux, reconstruire, j'irai, la formation sur une feuille blanche. C'est très intéressant parce qu'en principe, avec la géométrie sacrée, vous n'avez besoin que d'un compas et d'une règle. Il n'y a aucun calcul, aucun rapporteur. Voilà. Alors, c'est intéressant, et de se plonger dans la géométrie, ça permet d'ouvrir la conscience aussi. Voilà, et il y a eu quelques conférences spécialisées là-dessus, simplement pour vous dire qu'ils sont tous basés sur ce qu'on appelle la géométrie sacrée, en faisant référence au nombre d'or. Oui, la géométrie sacrée, d'ailleurs, suite de Fibonacci, tout ça. Pour ceux qui sont là sur Nuria TV depuis très longtemps, vous avez vu sur le site, nous avons fait un court vidéo avec Umberto Molinaro sur la géométrie sacrée des crop circles, spécifiquement là-dessus. C'est impressionnant. Il y a vraiment des détails vraiment perturbants. Entre le crop circle lui-même, mais aussi le lieu sur lequel a été fait le crop circle, voire même les lignes tracées par les tracteurs ont servi pour faire le crop, et il y a des informations dedans très, très étranges. Tu fais bien de préciser ce point-là, on a souvent tendance à le mettre de côté, mais c'est l'art subtil des cercles, très beau titre. C'est exactement ça, c'est extrêmement subtil. Ouais. Merci, j'étais bien inspiré. Alors là, l'art subtil aussi de la fluidité. Il faut voir le crop circle comme un fluide énergétique. Donc là, on a mis des flèches sur le sens où le blé était couché. Alors, ça peut être très différent d'un crop circle à l'autre. C'est pas forcément toujours le même sens. Ça peut être horaire, anti-horaire. Il y a des diagonales, il y a des étoiles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un fluide. Lorsque le crop circle se forme, on verra que c'est très rapide. C'est comme si c'était balayé par un courant. Et que le blé se couchait suite au passage d'un courant. Ce courant peut changer de sens, j'irai très rapidement. Et là, je renvoie aux magnifiques vidéos que vous avez certainement vues de Jean-Pierre Pedy, qui nous explique que les vaisseaux spatiaux peuvent se changer de vitesse et de direction très rapidement grâce à la MHD. Donc là, je vous renvoie sur ces fameuses vidéos qui sont excellentes depuis 2-3 mois. Mais le crop circle, c'est pareil. C'est-à-dire que cette énergie, elle peut changer de direction instantanément. Et du coup, la formation, elle se fait
En moins d'une seconde, c'est ce que je vais vous dire après. Mais il faut lire le crop circle comme un fluide énergétique. Voilà. Ce n'est pas une empreinte. Souvent, les gens disent que c'est une empreinte comme un tampon. Ce n'est pas du tout un tampon. C'est un fluide qui circule avec un balayage. Et cette notion d'empreinte, il faudrait presque la retirer parce que pour moi, c'est un non-sens. Voilà pour préciser le sens. Alors là, je donne encore un dernier exemple, c'est celui qui a eu lieu à Waterloo il y a quelques années, pour vous montrer que derrière une formation comme ça, qui paraît simple, il y a ce qu'on appelle les tracés directeurs. Donc voilà, une étoile à 6 branches, c'est un grand classique, mais il y a des petites précisions comme les cercles intérieurs, où se trouve le centre, de quelle manière ça a été construit pour respecter la géométrie sacrée. Alors Nora, c'est sur la prochaine diapo, je vous donne le détail. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous voyez que c'est relativement complexe. À partir d'une forme simple, on construit beaucoup de cercles. Je vais simplement vous illustrer quelque chose. En haut à gauche, entre l'extérieur et l'intérieur, il y a ce petit arc de cercle vert intérieur où on cherche son centre. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a un petit cercle rouge et un petit cercle orange qui ont été construits. Donc, en fait, c'est une imbrication de cercles. Donc, ce n'est pas toujours évident de trouver où se trouvent les centres, de le localiser de manière conforme à la géométrie sacrée. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Il y en a qui sont plus ou moins compliqués. Mais simplement, pour vous dire simplement ce soir, que derrière chaque géométrie, il y a ce qu'on appelle les tracés directeurs, c'est-à-dire le tracé qui permet de construire la formation. Alors, c'est vrai que là-haut, ils sont très forts parce que, bon, c'est comme si c'était préparé d'avance, sauf que ce n'est pas une empreinte, ce n'est pas un tampon qu'on prépare, c'est une expression énergétique à travers une fluidité. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà. Voilà pour la géométrie. Alors, après, on va aller sur d'autres plans. Alors, ça, c'est intéressant. Des approches, j'irais, de numérologie et de mathématiques. Alors celui-là, il m'intéresse beaucoup, d'autant plus que j'y avais été avec un groupe. Je suis assez ému de le revoir. Alors déjà, la résonance par rapport au paysage. Un crop circle ne se forme pas par hasard. Vous voyez qu'en haut à gauche de la photo, il y a un moulin. Ce moulin, il est toujours utilisé pour le blé, hein, il se visite d'ailleurs, il s'appelle Wilton Windmill, et à côté du moulin, vous avez un moulin dans le champ de blé, vous avez des ailes de moulin qui ont été représentées, et vous voyez que ces intelligences supérieures s'amusent beaucoup avec nous, comme pour nous dire, vous avez de manière visible un moulin que vous avez construit de main d'homme, et ben nous, on vous fait des ailes de moulin construites sur des plans invisibles, et puis essayer de comprendre. Voilà. C'est toujours le côté farceur, et je dirais un peu dérisoire. Alors, ces ailes de moulin, vous avez des traits, alors des traits pleins et des absences de traits, et dans le domaine de l'informatique, vous savez qu'un ordinateur marche sur des 0 et des 1, c'est comme ça. Donc là, le principe, c'est que lorsque vous avez un trait dans le champ, c'est 1, et quand il n'y a pas de trait, c'est un 0. Et du coup, sur chacune des ailes de moulin, vous avez une codification qu'on appelle le code ASCII. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé par les informaticiens. Et une suite de 0 et de 1. On va prendre par exemple le premier nombre en haut, 011 001 01. Ça veut dire petit e. Voilà, il y a une traduction du langage informatique en un langage plus élaboré. Ici, le langage des mathématiciens. Pour l'exponentiel. Et du coup, lorsque on fait la synthèse de tout ça avec le code ASCII, on retrouve une équation bien connue des mathématiciens qui s'appelle l'équation d'Euler. Euler, c'est un mathématicien, je crois d'ailleurs français, E-U-L-E-R. Et ces ailes de moulin retransmettent donc l'équation d'Euler. Alors, vous voyez comment on décode. Ce n'est pas toujours évident dans un premier temps, mais il y a toujours une subtilité et un code à trouver. Exactement. Alors, juste, hop, je vais enlever une nouvelle fois
Le petit partage d'écran. Oui. Voilà, pour répondre à un internaute, à un Urien, donc Henri, tentative de désinformation pour esquiver les questions dans le cas des papis. Alors, Henri, j'en ai profité parce que je cherchais justement un document, j'ai plein d'infos, je ne l'ai pas retrouvé, mais du coup, je suis tombée sur ce livre où on a, je vous montre à l'écran, donc des gravures anciennes sur les crop circles. L'almanach, tu avais raison, donc Philippe, ce fameux almanach avec le diable, donc c'est le 22 août 1678. Oui, c'est ça, j'avais connu cette photo. Oui. 1600, moi aussi, je n'étais pas sûre pour la suite, et du coup, je n'ai pas précisé la date exacte parce qu'on y revient souvent sur cette question depuis quand ça date. Concernant les papis farceurs, alors, vous allez voir au fil de la conférence, parce qu'il y a une partie, j'ai vu sur le fichier, où tu as parlé justement de ces preuves factuelles qui permettent de contredire l'hypothèse de la planche de bois et de la corde pour certains crop circles. Effectivement, il y en a qui ont été faits comme ça, ça se voit, ce ne sont pas des crop circles sur lesquels on peut se poser des questions, des vrais crop circles qui posent des questions. On va pas aller encore plus loin. Henri, on va y aller doucement avec toi, ne t'inquiète pas. Mais les papis farceurs, non, on n'est pas dans de la désinformation, étant donné que je t'invite, je vais juste faire un petit partage d'écran, comme ça sera plus clair, parce qu'il y a tellement d'informations sur les crop circles, effectivement, on passe un petit peu sur certaines informations, parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude, avec Philippe, en plus, d'avoir vu beaucoup de fois ce sujet, et on va passer sur certaines infos comme celle-là. Parce qu'on se dit que c'est bon, on l'a déjà dit. Mais effectivement, peut-être que pour Henri, pour le coup, c'est quelque chose de nouveau. Oui, tiens, je fais un petit coucou à Philippe Mario qui était venu, qui avait fait une comparaison entre les mandalas et les crop circles. Mandalas très, très humains et crop circles sur lesquels on peut se poser des questions. Et voilà, ici, tu as toutes les informations sur les crop circles. Donc, comme tu peux le voir sur les crop circles, alors, on a 6 pages carrément. Je ne savais pas qu'on en avait... Ah non, c'est parce qu'il y a les livres aussi, les ouvrages. Je ne savais pas qu'on en avait fait autant. Et on te revoit, Philippe, sur la forêt de Merlin. Donc, voilà, le nombre d'or, justement, avec Umberto Molinaro, on avait revu, justement, ces informations sur les crop circles. Donc, ce n'est pas un dossier sur lequel on ne veut pas informer. Donc, il n'y a pas de désinformation là-dessus. Les informations, tu peux les trouver sur le site. Il y en a énormément. Il y a aussi les ouvrages. En ce qui concerne les papis farceurs, donc, effectivement, on peut se poser des questions concernant la fabrication de certains crop circles, étant donné qu'on est loin de la... Je vais m'arrêter là pour le partage d'écran. Tu as pu voir qu'il y a pas mal d'informations sur le site. Hein. Je ne dis pas ça pour rien, vraiment. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'infos. Mais on s'est toujours posé la question à savoir comment, avec des planches de bois, ils ont pu faire ce que vous verrez plus tard avec Philippe dans l'émission, et aussi comment ils ont pu, à eux deux, en faire à travers la planète au même moment. C'est-à-dire que des fois, on a un crop circle donc en Angleterre, un autre, comme on disait, en Italie ou ailleurs, la même nuit. Donc, les papis farceurs, bravo. Il y a aussi la surface, il y a aussi toutes les précisions, il y a le fait que ça a été fait de nuit, le fait que ça a été fait sur un très court laps de temps. Tu en as parlé tout de suite en début d'émission sur le crop circle de la galaxie, par exemple, et il y en a plein d'autres comme ça. L'avion passe, une demi-heure après, il repasse, le crop circle est fait. Et il est assez immense. Donc, là-dessus, on a fait passer pas mal d'informations justement sur ces soi-disant papis farceurs qui auraient un moment, quand ça a été très médiatisé, avoué que c'était de leur fait. Alors on veut bien, mais à ce moment-là, il ne faut pas simplement s'arrêter sur quelqu'un qui vous dit « Ah bah c'est moi, il faut vérifier, est-ce que ça correspond, est-ce qu'il y a un mobile et tout ça, on va fouiller, comment ils ont pu faire, si c'est vraiment eux, à travers la planète, avec quelle technique, avec quelle méthode, comment ils ont pu être aussi discrets ?» Voilà, donc il y a une vidéo où on voit ces papis en train de faire un crop circle avec une planche de bois et une corde, mais on n'a pas, avec cette action-là, les explications sur tout ce qu'on va voir après. De nuit, oui. Rapide, et avec des petits détails en plus. Oui, alors, tu sais, Nora, il y a quand même un truc important à dire, et c'était un peu censuré, c'est que ces fameux papis farceurs, ils ont été interviewés par la BBC en Angleterre, quelques années après leur œuvre, et ils ont dit textuellement, donc à la télévision anglaise, on en a fait des centaines, on reconnaît que c'est nous, et un jour, une nuit, il y en a eu un vrai qui s'est dessiné à côté de nous. Et là, on a eu peur, et ayant eu peur, on a arrêté. Donc, témoignage à la télévision anglaise. Donc ça, il faut le dire aussi, voilà. Donc, par rapport à ces fameux papiers. Donc, dans le témoignage, on a un côté, ok, c'est eux qui ont tout fait, mais en même temps, quand ils disent qu'il y en a eu un autre qui n'était pas de leur fait, qui a été fait juste à côté d'eux, on en fait quoi de cette partie du témoignage? On garde que ce qu'on veut, voilà. Alors, sur Nuria, généralement, on prend tout,
et chacun analyse, chacun vérifie, et chacun se fait son propre jugement, son propre avis, ou ne serait-ce qu'un avis avant de juger. Il faut vraiment être sûr pour juger. Moi, j'ai plein de dossiers super ouverts, et celui-ci reste ouvert. Je me pose plein de questions toujours. Henri, je tiens à te le confirmer. Si demain, on m'explique par A plus B comment sont faits les crop circles et comment on peut expliquer tous les petits détails qu'on peut voir dans les crop circles et toutes les choses un petit peu étranges, il n'y a pas de problème, on valide et voilà, on clôt le dossier, on dit c'est bon les gars, on a trouvé, ouf, merci aux chercheurs. Pour le moment, on a un peu des explorateurs, ils cherchent, ils explorent, ils partagent leurs informations et leurs points de vue. On en est là, donc on avance. Je garde espoir quand même qu'on puisse avoir une réponse claire et nette un jour. Ouais. On avance quand même sur le sujet, oui. On avance. On va avancer ce soir aussi, hein. Un pas en avant. Donc ça, c'est pour l'air. Voilà. Ensuite, diapo suivante. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? C'est le premier crop circle Maya qu'il y a eu en Angleterre. C'était en août 2005. Et c'était juste après l'arrivée d'une prêtresse Maya que je connais très bien, Flore Desmaillot, que j'ai invitée en France en 2002 dans un cadre de cérémonie chamanique. Donc, c'est une femme très sérieuse et j'ai beaucoup de respect vis-à-vis d'elle. Surtout qu'elle fait partie du cercle des 13 grands-mères actuelles. Alors, l'histoire est la suivante. C'est que Flore Desmaillot, d'origine mexicaine et américaine, n'a pas beaucoup de crop circles dans sa région. Et elle était interpellée. Et elle s'est dit, un jour, je vais prendre l'avion et aller en Angleterre pour voir de visu de quoi il en retourne. Elle aussi, elle voulait donc faire l'expérience. Elle atterrit à Londres. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui lui dit, ben, il y en a un qui s'est formé là dans la nuit. On va voir ensemble. Et celui qui a été visité, c'est celui-là. Et celui-là qui renvoie donc à 2012. Et lorsqu'elle voit la photo sur le PC, elle a été complètement scotchée. Elle a dit, mais c'est ma tradition, je me retrouve. C'est un crop circle Maya, je veux le voir tout de suite. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir ça. Elle a été sur place et arrivée sur place, elle a été scotchée. Elle n'est jamais rentrée dans le crop circle. Elle a dit simplement, c'est trop sacré pour moi. Donc, elle a reconnu le symbolisme, le sacré. Elle a fait un rituel Maya à l'entrée du crop circle, mais elle n'est jamais rentrée à l'intérieur en disant que c'est un lieu sacré. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup. C'était à l'époque où on me posait la question souvent, mais Philippe, t'es ridicule, tu vois bien que c'est des militaires qui s'amusent, ils font joujou, ils te baladent, etc. Et là, je leur répondais tout simplement, est-ce que vous pensez que les militaires ont le temps de surveiller les déplacements en avion d'une prêtresse Maya? Voilà, pour en faire un dans la nuit. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à travers la synchronicité. Et un des messages aussi importants, c'est que ces crop circles nourrissent la synchronicité, mais sans arrêt. Soit à travers des choses visibles, ou par exemple cet Hollandais qui n'a pas vu le crop circle parce qu'il est parti, il pleuvait trop. Il y a aussi un témoignage que j'ai eu, mais bon... avec un groupe, et ça avec Nora, j'ai fait une petite conférence là-dessus, on a créé nous-mêmes notre crop circle, mais avec beaucoup de modestie, c'est-à-dire que cette création, c'est simplement envoyer une pensée dans l'univers qui envoie sur des plans supérieurs, des intelligences, je veux dire, je ne veux pas dire extraterrestres, parce que c'est un terme qui me dérange un peu, des intelligences supérieures qui sont sur un autre plan, et qui nous renvoient un petit clin d'œil du style « on vous a bien reçu le message », c'est tout. Donc ça se... résume peut-être à de la télépathie. Vous savez que la pensée, elle va de galaxie en galaxie, qu'on peut faire plein de choses. Donc là, c'est aussi un exemple pour vous montrer le lien entre ce crop circle, le premier crop circle Maya, avec l'arrivée d'une prêtresse Maya. Et pour moi, c'est aussi une confirmation. Après, à vous de voir si ça vous parle ou pas, mais c'est quand même interpellant. Ah, il y avait ça aussi, oui. Oui. C'est aussi très intriguant pour ce crop circle. Oui, oui. La synchronicité fait partie de la cinquième dimension, hein, je vous rappelle. Donc là, on est sur un registre non pas de 3D, mais de 5D. Hein. Alors, celui en Allemagne aussi, interpellant, donc il a été formé, non pas en Angleterre, mais en Allemagne. Il a dérangé beaucoup. Donc, vous avez une forme qui est un petit peu compliquée. Voilà, on n'a pas trop décodé le symbolisme. Et sur les trois points rouges que vous avez, donc sur la formation, on a trouvé sur ces lieux-là des plaques en or qui sont assez grandes. Je vous montre la photo après. Donc en haut à gauche, vous avez la plaque. Vous avez exactement le dessin du crop circle.
Donc, vous voyez que là, on représente dans le champ ces plaques en or qui étaient posées trois fois dans le champ. Alors, l'explication, on ne l'a pas. Je crois que ça renvoie à des signes runiques liés à l'Allemagne. Donc, de manière précise, c'était à Grasdorf. Vous voyez donc la taille des plaques, hein, ce n'est pas des petites plaques, c'est assez important. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'enquête très poussée. Je crois que le symbolisme viendrait des runes. Mais après, ce que ça veut dire exactement, je ne sais pas. Vous voyez que ça interpelle, là encore, une synchronicité. Pourquoi ces plaques à cet endroit, qui les a déposées, de quelle manière, ça nous dépasse assez. Assez étrange, il n'y a pas d'explication. Ouais. Là, c'est le grand mystère. Moi, je n'ai pas de réponse ce soir. Ouais. Je ne peux que m'interroger à nouveau. Non, mais je ne t'en veux pas de ne pas avoir les réponses à tout, Philippe. Je vais répondre à pas mal de choses, mais bon, ça fait partie de l'intérêt, hein, Nora, de continuer à avoir des questions. Allez, c'est les questions de la vie. Hein. C'est quoi la vie, déjà? C'est un mystère, la vie. Alors, les boules de lumière, ça, c'est du concret. Il y a en Angleterre une colline qui s'appelle la colline des boules de lumière. C'est une appellation donnée par les anciens, donc de génération en génération. À une époque, j'ai côtoyé un Français de Nice qui est filmé de nuit et il avait énormément de films sur des boules de lumière. Alors, soit des boules isolées, soit des formations en triangle, en étoile, etc. Je peux dire qu'il y a un lien entre ces boules de lumière et les crop circles. Ce Français avait filmé, j'avais vu la vidéo, je ne pense pas qu'elle soit sur Internet, une boule qui se déplaçait, mais une boule importante, hein, elle faisait peut-être 30 ou 40 mètres de diamètre, en silence, la nuit, elle s'est arrêtée, et elle est repartie dans le sens inverse. Et là où elle s'est arrêtée, le lendemain, il y avait une formation de crop circle. Là, ça nous dépasse encore, mais ça fait partie de la réalité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu des boules de lumière, mais ça dépasse le phénomène des orbes. Les orbes, oui, on prend des photos régulièrement là-dessus dans les crop circles, mais là, ce sont vraiment des vaisseaux de lumière. Alors, je vais vous partager une petite vidéo. J'ai une vidéo qui représente ces boules de lumière, et effectivement, il y a des témoignages de personnes qui auraient vu donc ces boules de lumière. Cette vidéo, on ne sait pas, fake, vrai, on va la prendre comme représentation de comment ça pourrait être fait. Ouais. Et tel que ça nous est raconté, et en tout cas, voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la source, l'origine de cette vidéo. Mais il y a donc des boules de lumière qui passent au-dessus du champ et il y a une formation, un crop circle qui semble se faire en même temps. Donc on diffuse ça à titre représentatif. Voilà, Alors Nora, je vais continuer parce que cette vidéo, je la connais et j'ai fait une petite expertise. Pas moi directement, mais j'ai eu la chance de rencontrer en Angleterre la personne qui a eu l'original de la vidéo entre les mains, qui a analysé cette vidéo image par image. Voilà, ça, c'est intéressant parce que très rapidement, on a dit oui, c'est encore un canular, c'est un montage vidéo, etc. Donc, c'est l'information que j'avais eue au niveau d'un montage vidéo. Et bien, la personne qui a pu analyser avec des professionnels de la photo nous disent que ce n'est pas un montage, que c'est une vidéo authentique. Voilà. Donc, voilà, c'est l'information que je donne ce soir parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de confusion sur Internet là-dessus. Par contre, je précise une chose, c'est pas la seule manière de former un crop circle, parce que là, ça se passe sur, on va dire, 5-10 secondes, je sais pas. Vous voyez, ça tourne, il y a deux boules, et la formation, elle a lieu. Vous voyez, ça vient progressivement. Et ensuite, les boules repartent. Il y en a qui ont vu un ovni tel qu'on peut l'imaginer au-dessus d'un champ et un crop circle derrière. Il y en a qui ont vu ça aussi. Un hélicoptère ou ce qui ressemblerait à un hélicoptère et un ovni aurait eu lieu derrière. Donc. Il y a aussi un flash lumineux, je vais en parler après, où là, c'est donc inférieur à une seconde. Donc, c'est pour dire aussi qu'il y a différentes techniques de fabrication qui nous dépassent, donc peut-être avec différents créateurs, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est intéressant de voir ces témoignages
Et quand on peut faire une expertise, de faire une expertise. Mais voilà, je donne cette information comme quoi c'est une vidéo authentique. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ensuite, voilà. Alors, ça, c'est un témoignage qui a eu lieu à Alton Barn, donc en Angleterre. Les Anglais surveillent le phénomène. Ils vont jusqu'à filmer avec des caméras infrarouges toute la nuit certains champs où l'activité est importante. Et donc, à 3 heures du matin, ils ont filmé un éclair. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'orage, il n'y avait rien du tout. Il y a eu un éclair très rapide. Et puis, ça s'est arrêté là. Donc, le lendemain matin, ils ont été au pied de l'éclair. Et au pied de l'éclair, il y avait un crop circle. Donc, il y a un lien entre l'éclair et le crop circle. Ils ont repris leur vidéo, donc en infrarouge. Et donc, l'éclair a duré 5 millièmes de seconde. Tu vois ? Alors, là aussi, c'est un témoignage très surprenant. Ce n'est pas les deux boules qui circulent tout à l'heure. C'est autre chose, une autre formation. Il y a un lien entre un éclair et le crop circle. Voilà. Alors, comment ça a été fabriqué ? Ben là, je ne sais pas. Ça nous dépasse complètement sur le plan de la technologie, quoi. C'est impressionnant. Et oui, merci Marie qui m'avait partagé le lien. Je n'ai pas vu. Je crois qu'on s'est partagé notre cerveau pendant une fraction de seconde. Je cherchais le lien de mon côté, Marie aussi. Et Val Univers qui nous dit « Non, mais ils s'amusent, les gars, comme moi quand je prends mes feutres. » Il y a un peu de ça. On fait des dessins. Oui, je crois qu'il y a un côté très humoristique. Et c'est ce que j'apprécie. Et je dirais, c'est le sens de la vie. Il faut pouvoir mettre de l'humour dans la vie. Et ces créateurs nous mettent de l'humour, des clins d'œil, parce que c'est toujours dans le dos de l'homme. J'en parlais dans des conférences précédentes. Le paysan de rage qui met en route sa moissonneuse batteuse pour aller faucher le crop circle, même si le blé n'est pas mûr, parce qu'il est en colère. Et la moissonneuse cale juste à l'entrée du crop circle. Pourquoi ? Parce que l'énergie est plus quoi ? Parce que l'énergie est plus forte et que son moteur, il n'arrive plus à redémarrer. Donc, il y a toujours ce côté farceur pour dire « Ah, vous croyez être les plus forts ? Eh ben, on est un petit peu meilleur que vous et puis on s'amuse avec vous. » Je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça et faut le prendre sous cet angle-là. C'est le principe de la vie. Hein. La vie avec du recul est souvent faite d'humour. Mais ça peut frustrer un peu. Il y a Renaud qui dit « Mais venez, les extraterrestres, et montrez-vous qu'on en finisse avec toutes ces idées. Fiu, que tout le monde sache enfin. Hein. » Bah, ils vont venir un jour, mais quand on sera vraiment prêt, quoi. Quand on se posera moins de questions, ils viendront, c'est ça. Ils préparent le terrain. Ouais, non, même quand ils seront là en face, on se posera encore des questions. Ouais. On est comme ça, les humains. Et puis en plus, français, tu sais, c'est pas sûr. On va pas faire sûr, on veut des preuves. Ouais. Alors, avec Thierry Jamin, on a les preuves, on a les momies de Nazca, donc on va pas. Ça fouille, ça recherche. Ça recherche, traces d'ADN, etc. On avance sur le sujet. Il y a plein de gens qui disent encore, j'y crois pas. Mais on avance sur le sujet. Vous voyez qu'il y a plein de sujets aujourd'hui qui éveillent les consciences. Il faut sortir de la croyance. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs sur les commentaires de Nurien au début. Il faut essayer de savoir. Il faut essayer d'avoir des informations et de voir. Parce que je peux t'assurer que même ceux qui voient des ovnis se posent des questions à savoir est-ce qu'ils ont bien vu ce qu'ils ont cru voir. Ouais. Même des personnes qui ont des histoires assez lourdes d'abduction, tout ça, se posent encore des questions en se disant mais est-ce que... Parce que j'ai pas rêvé tout ça. Donc, il nous en faut vraiment, vraiment plus. Et je trouve ça pas mal aussi. Comme ça, au moins, quand on est sûr d'un truc, c'est bon. Et encore, il y a des fois, c'est bon. On n'est jamais sûr parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue en termes de fréquence. Donc, il y a un croisement entre le visible et l'invisible. Donc, ça devient assez complexe. Ouais. Mais ceci dit, ça fait partie de l'évolution. Alors là, j'ai une photo assez incroyable. C'est assez rare parce qu'on a peu de photos de ce type-là. Ça a été pris en 2004 dans un champ qui s'appelle Mill Kill, où vous avez des mouches qui sont quasiment foudroyées sur place. Regardez la photo du milieu à droite. C'est comme si la mouche, elle voulait s'envoler et reste scotchée par les pattes avant. Et que... Alors, je suis désolée, je vais zoomer un peu. Oui, vas-y. Âme sensible, attention. Oui. Celle de droite, elle est pas mal, les autres aussi, mais voilà. C'est pour vous montrer simplement que le phénomène est très rapide, c'est que la mouche, elle n'a pas le temps de s'envoler. Alors, ça confirme un peu l'éclair qu'on a eu tout à l'heure. Bon, beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur, ça, c'est vérifié lorsqu'on fait l'analyse des nœuds de blé, j'en parlerai après. Mais c'est un témoignage de vivant de la rapidité du phénomène. Voilà. Alors, on ne l'a pas eu très souvent, mais là, on l'a eu sur ce champ-là en 2004. Et ce n'est pas le champ qui formait une sorte d'abeille ou quelque chose comme ça ? Il y avait pas Il me semble,
Oui, ouais. je crois que c'est ça. Non seulement il y avait des abeilles collées, des mouches et tout ça, mais en plus, on... Je crois que c'est ça. Parce que là, dans le titre, il y a marqué Crop Circle l'abeille. Oui, je pense que c'est ça, tu as raison. Oui, ouais, je vais faire juste une petite recherche Google vite fait pour ne pas dire des bêtises. Ouais. Donc, Milk Hill. Milk Hill en 2004. 2004. Milk Hill, c'est à côté d'Avebury, hein, pour être précis. Oui. Ok, je vais regarder. Oui, si, on est là-dedans. Alors, attendez, ouais. Je change de partage d'écran, je sors du dossier, salut tout le monde, et je reviens sur un nouveau partage d'écran, Google. Voilà, une petite recherche Google. Ouais, il me semble ça. Que c'est celui-là. C'est celle-là. Oui, voilà, Milk Hill. C'est celle-là, voilà. Voilà. Nice. Donc, voilà. Ils ont de l'humour et des fois de l'humour noir quand même. Un petit peu. Vous voyez que la formation représente une abeille et on a pu voir des mouches qui étaient scotchées. Des abeilles. Vous voyez les clins d'œil, mais c'est sans arrêt comme ça. Oui, voilà. Tout le temps. Ah, faut le faire. Là, c'est pas mal. C'est clair. Alors, j'enlève ce partage et je reviens sur le dossier, les amis. Hop. Voilà, et dans la transition, c'est Philippe qu'on voit. Voilà. Alors, on va continuer parce qu'il y a encore pas mal de matière derrière. Il y a du dos, Alors, cette histoire de nœuds, vous savez que sur des tiges de blé, il y a des nœuds de manière régulière et on a examiné les nœuds de près. Donc, les nœuds ne sont pas cassés. Vous voyez que ici, ils sont courbés. Une info importante sur l'autre image que Renaud nous partage, donc un complément d'info, il dit mais les ailes sont intactes malgré une énergie a priori impressionnante. Ouais. Ouais, oui, c'est vu, je remonte sur l'image pour ceux qui n'ont pas fait attention, je zoome sur cette aile par exemple, enfin, il y en a pas mal, c'est pas brûlé, c'est comme une paralysie, oui. Ouais. Ouais, oui. Merci exact. Renaud, petit point très intéressant qu'on a oublié de spécifier. Donc, c'est fait, merci. Alors, les nœuds ne sont pas cassés, donc ça va à l'encontre des papilles qui, bien sûr, avec une planche, cassent les tiges, obligées, hein, c'est comme ça. Donc, à une époque, on regardait si les nœuds n'étaient pas cassés ou cassés. Donc, ça veut dire qu'avec cette énergie qui est aussi très rapide, le nœud se déforme. Alors, peut-être sous l'angle de la chaleur, parce que c'est évoqué par les spécialistes lorsqu'on analyse le nœud. Et le nœud souvent explose. C'est sur la photo d'après, je crois, où la vapeur d'eau, voilà. En haut à droite, vous avez l'explosion du nœud. C'est-à-dire que dans le nœud, vous avez de la vapeur d'eau, hein, voilà. C'est assez réel. Et lorsque la vapeur d'eau donc devient chaude ou importante, ça fait exploser le nœud. Et du coup, vous avez ces trous dans les nœuds. Alors, c'est pas systématique, hein. Je l'ai vu de temps en temps, mais c'est pas à chaque fois. Alors, ça dépend peut-être des circonstances de la formation, mais c'est une caractéristique, j'irais, reconnue pour les vrais crop circles, le nœud coudé et avec une explosion donc interne. Je rajoute quelque chose de très intéressant. Francine Blake, que je vois tous les ans en Angleterre, qui est mon amie depuis longtemps, puisque c'est elle qui m'a un peu initié au phénomène au début, est en contact permanent avec les paysans, là-bas parce qu'elle habite sur place, elle va les voir et elle leur explique le phénomène. Elle a pris de la terre des crop circles et elle a fait analyser cette terre par les laboratoires connus et officiels des agriculteurs pour avoir une référence. Et ces laboratoires nous disent aujourd'hui, depuis plusieurs années, qu'il y a un apport de silicium dans les terres. Alors que 20 mètres plus loin, il n'y a pas cet apport de silicium. Donc, elle dit, voyez, vous avez l'impression que vos cultures sont détruites, que vous perdez de l'argent, certes, mais d'un autre côté, vos terres sont enrichies par ce silicium, donc ce n'est pas quelque chose qui est nocif, ça peut être bénéfique et c'est une manière de voir les choses différemment. Donc, elle va voir justement ces agriculteurs pour leur dire, il y a une modification donc, chimique de vos terres. Là encore, ça interpelle énormément parce que c'est quelque chose qui est récurrent et puis c'est quelque chose qui parle aux agriculteurs puisque ce laboratoire, ils le connaissent très bien. Oui, et le blé pousse plus vite à ces endroits-là. Alors, voilà, le blé pousse plus haut. Donc souvent, avec mes groupes, je dis, regardez la tache verte là-bas. Donc le blé est plus vert et non pas jaune. Et puis la formation est à nouveau visible puisque le blé est de couleur verte et puis pousse peut-être 10 à 20 cm plus haut. Bon, voilà, ce qui contrarie aussi les agriculteurs pour faire la moisson.
mais toujours est-il qu'il y a une trace énergétique un an après. Oui, et bien évidemment, les agriculteurs n'ont pas le temps de faire la différence entre les blés qui ont été touchés par le crop et les autres. Donc, vous avez très probablement déjà mangé du crop circle, du blé made in crop. Oui, tu as raison. Tu as raison, Nora. Il paraît que c'est très nutritif, plus nutritif que le blé. Ouais. Normal, entre guillemets. Et là, on revient donc à, s'il fallait encore préciser, en ce qui concerne les crop circles faits de main d'homme, en tout cas de planches de bois d'homme, on a un pli qui se trouve sur la tige, étant donné que c'est la partie la plus fragile. Vous pouvez essayer vous-même, si vous marchez dans un champ de blé, si vous marchez sur un blé, ça va plier sur la tige et non pas sur le nœud qui est plus solide. C'est pour ça que ça permet, c'est un des points à vérifier d'emblée quand vous êtes sur un crop, est-ce qu'il est vrai ou pas, regardez tout de suite le blé. Si vous avez des choses étranges au niveau du nœud, on est déjà, enfin un pli étrange à ce niveau-là, on est déjà sur quelque chose où on peut se poser les questions. Oui, clairement. Hop, là, il y a encore des infos. Alors, très intéressant, on va plus loin. On retrouve l'histoire des nœuds, mais regardez donc en bas à gauche, complètement à gauche, vous avez la coupe d'une tige à l'intérieur d'un crop circle. Et à droite, vous avez à l'extérieur du crop circle. Vous voyez que la structure qu'il y a à l'intérieur, et là, c'est intéressant, ça rejoint les recherches d'Emoto, vous savez, le japonais qui a fait l'étude sur l'eau. Lorsque vous mettez donc le mot amour sur une carafe d'eau, l'eau elle se structure différemment. Alors ça, c'était absolument incroyable. En fait, Emoto congèle l'eau, et lorsqu'on coupe la glace, on a ce genre de choses. Et ben là, pour le crop circle, c'est pareil. Vous voyez que sur la photo de gauche, elle est beaucoup plus structurée. Vous avez des lignes qui sont longues. Il y a une structure, alors qu'à droite, vous avez des petits cristaux qui sont beaucoup plus courts. Donc, ça veut dire que l'énergie est en mesure de redynamiser l'intérieur de la tige. Ça aussi, c'est une preuve supplémentaire. Bon, désolé, nos papilles ne savent pas faire ça. Ah ben là, ils sont allés loin dans la farce. Voilà. Donc, vous voyez que lorsqu'on fait des analyses à caractère scientifique, il y a des choses qui nous dépassent complètement. Et je crois même que j'ai vu des photos de Francine Blake où l'intérieur de la tige est une représentation holographique de la forme du crop circle. Ça, je l'ai vu. En plus. En plus. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle un hologramme, c'est-à-dire une image qui se répète sur un plan subtil, et que ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, et que la forme du crop circle, vous la retrouvez à l'intérieur des tiges de blé. Alors là, ça nous dépasse complètement. Mais je sais qu'elle avait trouvé quelques photos comme ça. Oui, c'est vrai que face à ça, on peut comprendre pourquoi à l'époque, l'avis de Jean-Pierre Petit avait été assez critique par rapport aux médias, en disant pourquoi vous faites passer des témoignages de X ou Y ou les fameux papy farceurs à l'époque et vous ne faites pas des analyses scientifiques, point barre. Quoi. Ouais. Parce que là, voilà, avec ces analyses-là, ben, oui, la porte est ouverte à toutes les options, mais autres que de papy avec des planches de bois, qui sont plus de ce monde d'ailleurs pour les autres crop circles qui ont lieu depuis quelques années. Donc voilà, il faudra trouver une autre raison, une autre explication là-dessus. Mais ouais, voilà, c'est quand on voit ça, voilà les amis, pourquoi je trouve que c'est un dossier extrêmement intéressant juste avec ça. Là, on est dans du factuel. Alors, on ne sait pas ce que c'est, ça ne nous permet pas de dire c'est ça ou c'est pas ça, parce qu'il y avait toujours l'option des militaires, et c'est pour ça que quand on ne connaît pas le dossier, on se dit, mais les militaires, pourquoi ? Là, parce que quand on en arrive là, on se dit que c'est forcément fait avec une technologie. Donc, si ce n'est pas exogène ou terrestre, mais un peu bizarre, à ce moment-là, bah, c'est nous, mais qui c'est qui aurait les moyens technologiques de faire ce genre de choses ? Ben, les militaires, pourquoi pas ? Et voilà, on en est là. Donc, Alors, les militaires, je connais un peu le sujet parce qu'ils sont présents en Angleterre. Ouais. Ils s'intéressent au phénomène dans le sens où ça les intrigue. Et tout ce qui intrigue, ils ne comprennent pas, ils essayent de comprendre. Hein. Donc, ils poursuivent avec des hélicoptères, des boules de lumière, ils font des choses comme ça. Mais bon, ça ne va jamais très loin. Ils surveillent, ils analysent la Terre. Voilà, ils sont présents. Mais dire que c'est eux qui les fabriquent, non, parce que le sentiment que j'ai, c'est qu'ils sont un peu dépassés par les événements. Ils essayent de comprendre aussi, et peut-être que plus tard de faire pareil, mais aujourd'hui, voilà, ils sont présents pour comprendre. Et puis, de toute façon, j'ai eu des sources. Les budgets militaires en Angleterre sont de plus en plus réduits, et ils n'ont pas les budgets, j'irais, pour
faire des expertises de Crop Cycle. Ils sont plutôt sur des camps d'entraînement. Donc, on les voit, effectivement, mais ce sont des jeunes qui se forment pour aller faire des guerres à gauche et à droite dans le monde avec des budgets qui sont limités. Donc, la piste des militaires, pour moi, elle n'est pas très, très viable. Bah, ça ouvre à d'autres questions. Pourquoi, à ce moment-là, ils feraient des Crop Cycle à côté de bases militaires ou à côté de centres de recherche ou en plein milieu d'un champ de monsieur et madame, du champ de monsieur et madame tout le monde et pas en train de tester chez eux? Ils ont assez de terrain pour faire des tests chez eux sans que ça se voit. Voilà. Ouais, ouais. Il y a aussi pas mal de questions là, étranges là pour le coup. C'est des militaires, c'est très. Mais bon, on garde l'option. Oui, hein, oui. Moi, je la garde aussi, même si ça fait partie. C'est un petit dossier sur mon bureau là pour le coup. Mm. Why not? Voilà. On va confirmer. J'ai encore des choses intéressantes là aussi. L'énergie, elle reste présente. Vous avez ici un champ l'hiver où il a un peu neigé. Et vous voyez que là où il y a eu le crop circle, la neige et le fond, ça veut dire que l'énergie, elle est gardée dans le champ même plusieurs mois après. Donc, il y a un dégagement calorifique, il y a peut-être une modification énergétique. Et ce qui m'intéresse, c'est que la forme est pérenne dans le temps. C'est un principe de vie. La mort, on détruit les choses et la vie, on conserve les choses ou on les transforme. Et là, effectivement, il y a une préservation énergétique. Donc, c'est très interpellant parce que là, c'est prouvé de manière très claire par cette neige qui fond. Tu l'avais dit tout à l'heure, le blé peut être plus vert. Ouais. On peut voir d'une année sur l'autre la marque du crop circle de l'année dernière. Oui, tout à fait, de manière systématique. Hein, parce ouais. que je garde en mémoire toujours l'année précédente et quand j'accompagne des groupes, je vais même voir des anciens crops en disant « Regardez la tache verte ». Ils ouvrent des grands yeux. Ah oui, voilà. Donc, c'est intéressant de faire les comparaisons. Et là, la neige fond à cet endroit-là. Oui. Ça ne tient pas. Ça aussi, c'est pas mal. Ouais. Alors, expérience que j'ai vécue, moi, personnellement, avec deux amis. Alors, je peux témoigner. Alors, j'aurais été seul, j'aurais dit, je suis fou. Okay, je crois pas en mon expérience. Voilà, je n'aurais pas cru en mon expérience. En fait, on était dans un crop circle, à côté d'un crop circle, 16h de l'après-midi, il faisait beau, il n'y avait aucun moteur, pas d'avion. Et tout d'un coup, mais de manière très rapide, on a entendu tous les trois la même chose, un son multidimensionnel. Alors, très dur à décrire, je n'ai jamais entendu ça. Modulation de fréquence et d'amplitude simultanément. Le son, impossible de le localiser, il venait de partout. C'est comme s'il y avait des haut-parleurs autour de nous et que chacun des haut-parleurs jouait sa musique. Il y a eu une grande confusion. Je sais que pendant trois minutes, j'ai tourné la tête dans tous les sens en me disant « mais ça vient à gauche, à droite, à gauche ». Ah oui ? J'arrivais pas du tout à localiser, j'étais dans le son. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Et ça s'est arrêté net en une seconde. Et là, on s'est regardé tous les trois. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que tu as entendu? Et on a entendu exactement la même chose, tous les trois. Donc là, on peut témoigner à trois de ça. J'aurais été tout seul, j'ai dit, j'en parle même pas parce que là, j'ai pété un plomb. Pour vous montrer qu'il y a cette histoire de son, et c'est pour ça que ce soir, je vais aller un peu plus loin par rapport au son, c'est aussi une preuve scientifique, et que la forme est créée par le son. Alors ça, il y a des preuves scientifiques, mais je pense qu'il y a une clé là-dessus. J'avais rencontré une année un Américain qui s'intéressait de manière très pointue au sujet, vraiment un mathématicien de très très haut vol, qui suivait le phénomène. Il m'a dit, Philippe, la clé c'est le son, et un jour j'essaierai de faire des choses similaires dans les champs avec le son. Il était formel là-dessus. Alors, regardez ce qu'on peut faire avec de l'eau. Vous savez que lorsqu'on utilise des fréquences particulières, on modifie la géométrie, les mandalas. Là, vous avez des beaux mandalas. Et selon la fréquence, la forme du mandala, elle change. Alors ça, ce sont des photos qui ont été prises dans l'eau. On a la même chose avec du sable, j'en parlerai après, pour vous montrer qu'il y a un lien simplement énergétique entre le son et la forme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que les crop circles sont formés par des ondes sonores, alors avec des fréquences très particulières que peut-être on ne sait pas faire aujourd'hui, mais toujours est-il qu'il y a des expériences qui se font. Voilà. Alors, je crois que c'est la diapo après où je renvoie sur une vidéo. Voilà.
Alors, une vidéo de YouTube, Nora va nous faire le lien. C'est l'expérience de Chalny qui a été faite de manière scientifique, où il nous prouve que pour chaque fréquence, il y a donc une forme associée. Elle n'est pas longue, elle dure 2 minutes, mais là, je pense qu'il vaut mieux une bonne image ou une bonne vidéo qu'un long baratin. Voilà, donc vous pouvez aller voir après sur YouTube, sur Science Fun, et rechercher cette vidéo pour la voir de façon beaucoup plus fluide de votre côté. Mais beaucoup de Nuriens connaissent cette vidéo sur les fréquences. Et effectivement, quand on a vu ça la première fois et qu'on connaissait le dossier des crop circles, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien. Tu peux mettre le son de la vidéo peut-être ? Oui, bien sûr. On n'entend pas grand-chose. Ouais, c'est bon, oui. Voilà. Quand on entend ça, je me demande si à l'intérieur de notre corps, nos molécules s'amusent à danser comme ça quand on va en concert. Tu sais. Voilà, tout à fait. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Vous savez, notre corps est composé d'eau et il y a des modifications qui se font beaucoup plus qu'on peut imaginer. C'est sûr. Alors, vous voyez que la vidéo, elle parle d'elle-même. C'est assez impressionnant. J'ai même récupéré des photos de la vidéo et j'ai fait du copier-coller sur certains crop circles. Exactement la même chose, copier-coller. Simplement pour vous montrer qu'il y a quand même une explication scientifique sur la création. Alors, ce n'est pas aussi précis, hein, ce sont des grains de sable qui se déplacent, c'est encore un peu flou, mais vous voyez quand même les formes très, très différentes que l'on a avec le son. Donc, je voulais en parler ce soir. Pour moi, ça fait partie d'une vérité scientifique et on ne peut pas passer à côté, quoi. Alors, il y a Anna qui nous dit, et comme on peut le voir sur la vidéo, ça se forme très, très vite, donc très plausible cette manière de faire. Et Léanda nous dit, plus c'est aigu, plus il y a de forme. Coucou, Léanda. Oui. Marie qui nous dit, c'est assez fou, je connais la vidéo et je trouve ça toujours aussi incroyable. Et JC Zabo qui nous dit, mon chat devient fou avec le son émis par la vidéo, désolé. Oui, ça peut être un peu désagréable. À propos des chats, vous savez qu'on a mis des chats dans le crop circle, ils n'ont jamais eu peur. Jamais. Le chat regarde en l'air, c'est comme s'il voyait des formes, des choses, et il était interpellé par des choses nouvelles, mais à aucun moment il a eu peur. Donc c'est un petit détail par rapport aux animaux. Merci beaucoup en tout cas pour ce retour de nos amis les bêtes. Et ouais. Comme on disait d'ailleurs en début d'émission, c'est bien de savoir un petit peu comment réagissent les animaux. Ouais. Donc pour les chats, pas de soucis. Oui, voilà. Ça se passe bien. Les héros, ouais. Ça se complique. C'était chez eux. Ils sont fait taguer. Voilà. Ils ne sont pas contents. Alors, on poursuit. Voilà, mouvement perpétuel, il existe. Alors, ça, c'est aussi intéressant. Vous avez une vidéo là-dessus sur Internet. Vous faites Crop Circle Glass et vous allez le trouver. Je crois que c'est au Canada ou dans le nord de l'Angleterre, je ne sais plus trop. Vous avez un disque de glace qui est taillé au laser, de manière très précise, mais il est grand, hein, il peut faire 200 mètres de diamètre, je ne sais plus trop. Et donc, il fait moins 10 dehors et l'eau ne regèle pas.
C'est-à-dire que là où ça a été coupé, l'énergie s'est posée et ça reste liquide. Et mieux que ça, le glaçon, il tourne en permanence. Voilà. Alors, on a créé le mouvement perpétuel. Alors, je pense qu'avec les crop circles, on a la même chose. Si on avait de la glace à la place du blé, ben, ça tournerait. Ce qu'on appelle des vortex. Hein. Ce sont des vortex énergétiques qui ont été identifiés par les géobiologues. Mais là, on a une preuve vivante à travers la glace. C'est quelque chose de très visuel. C'est pour vous montrer que l'énergie, elle est posée, elle est installée, elle tourne. Et puis, on est dans la vie, dans quelque chose qui est lié à un vortex. Et c'est très, très vivant. Voilà. Donc, c'est une petite confirmation par rapport à ça. Alors, celui-là, j'ai eu la chance d'y aller 2 jours après sa formation. Il se trouve à Alton Barnes. Vous avez le fameux cheval blanc, vous voyez, donc complètement au fond sur la colline. Et cette colline s'appelle la colline des boules de lumière. Voilà, c'est cette colline-là, vous voyez. Et donc, il y a une 20aine de chevaux blancs donc, en Angleterre qui nous renvoient à la tradition celte, hein, qui sont des lieux sacrés. Mais à chaque, au pied de chaque cheval, il y a des formations crop circle, comme pour nous renvoyer donc, aux chevaux. Alors, cette formation, elle est incroyable. Elle s'est faite en 3 nuits. Vous avez la photo sur le haut. Première partie à gauche. Ensuite, le système de planètes, là, je ne sais pas comment le décrire, c'est rond, c'était la 2e nuit. Et après, ce qu'on appelle les codes galactiques à droite, c'était la 3e nuit. Donc, souvent, maintenant, les crop circles se forment sur 2 ou 3 nuits. Ah oui, attends, au début, il y a eu juste l'antenne, là. Oui, que l'antenne. Je n'ai pas montré les bons endroits. Donc, là, il y avait que l'antenne. La 2e nuit, il y avait ça. Voilà. Et après, tous les codes galactiques sur la droite. Et ensuite, voilà, cette grande ligne. Voilà. Cette grande phrase, texte ou autre. Voilà, alors, bon, on ne l'a pas décodé, on dit code galactique parce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que quand vous rentrez, vous avez les photos d'en bas qui sont assez interpellantes, vous avez des cercles au milieu de nulle part, vous avez des jets. Je me rappelle qu'on voulait rentrer dans des dessins et c'était impossible, il n'y avait pas d'accès, aucun accès. Donc, comment faire? Et du coup, on ne voulait pas saccager le blé, donc on regardait de loin. Enfin, on était très interpellés. Moi, je suis resté longtemps avec un groupe. Et la formation, elle fait 500 mètres de long. Donc, le temps de faire 500 mètres en regardant à gauche, à droite, l'énergie était très forte aussi. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient des vertiges, qui n'étaient pas bien et qui m'ont dit « bon, je ne vais pas plus loin, je fais demi-tour ». Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça. D'autres personnes qui étaient bien, qui ont fait des super méditations. Mais là, ça a été très, très interpellant parce que voilà, ça fait partie des choses, des grands mystères qu'on n'a pas encore élucidés. Comme s'il y avait un langage, mais ce langage, on ne le comprend pas. On ne sait pas. Alors, je vais vous faire un autre partage d'écran, les amis. Et je vais faire un clin d'œil à Gundal qu'on a déjà interviewé sur Nuria TV. Donc, je vais retourner sur le site et vous faire un petit partage et vous montrer les intricités de Gundal. Donc, c'est comme ça qu'il les appelle. Alors, ils sont dans la partie notamment de la boutique parce qu'il nous a donné donc des dessins pour la boutique de Nuria TV parce que c'est vrai que vous avez été nombreux à bien aimer donc ces intricités. Il ne sait pas, alors c'est pas dans l'espace nurien, ça c'est marrant, je me trompe moi-même sur mon propre site, ça c'est grave. Donc voilà, je vous montre ça. Je me suis perdue là et je vais essayer de vous choper donc une intricité de Gundal donc sur le site et vous allez m'en donner des nouvelles parce que c'est assez étrange. Donc on a celle-là ou celle-là et je vais simplement essayer d'en trouver une. Voilà, par exemple forme pensée, cette intricité là, si on peut cliquer dessus, est-ce qu'on peut zoomer? Allez, je vais zoomer comme ça et vous allez voir. Et donc Gundal, depuis qu'il est petit, mais alors vraiment petit, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, son père lui en a reparlé, il a toujours fait ces dessins-là. Il ne sait pas ce que ça veut dire et il sait juste que voilà, ça a toujours été une envie, un besoin de faire ce genre de dessin qu'il a appelé au final récemment donc des intricités. Et il en faisait même sur ses couches quand il était tout petit. Sur les murs, partout, il avait cette envie de partager sous cette forme-là. Quand il pense aux personnes, à l'énergie des personnes, il dessine de cette façon-là. Et il retranscrit donc des intricités, et on pourrait les appeler des crop circles. Et c'est vrai que la première fois qu'il a vu un crop circle, lui aussi a été très, très étonné de voir le lien qu'il y avait entre les crop circles et ses dessins qu'il faisait depuis des années.
Et il n'est pas né d'hier, Gundal. Il a de la bouteille. Donc, avant même que ce soit communiqué aux infos, tout ça, avant, de toute façon, voilà, quand il portait des couches, il n'a pas regardé des documentaires sur les crop circles et il faisait déjà ces dessins-là. Maintenant, je vais vous remontrer le crop circle que tu as choisi de partager ce soir, celui qui a été fait en 3 temps, en 3 nuits. Ouais. Et voilà, on retrouve là-dessus ces formes assez étranges. Alors, Nora, confidence pour confidence, au cours de ma vie qui a été très, très riche, j'ai rencontré deux personnes qui avaient la capacité à écrire très, très rapidement ce genre de... Alors, voilà, je ne sais pas si c'est les mêmes écritures, mais ça ressemble beaucoup. Et ce que j'ai vu avec Gendal, c'est le même style. Et ces deux personnes, donc, étaient en mesure d'écrire très rapidement cette écriture-là. Une qui a cherché pendant toute sa vie d'où ça venait, et elle n'a pas eu de réponse. Et une deuxième qui a eu une réponse, c'était une connexion à Sirius. Voilà. Mais voilà, merci pour ce témoignage. Je ne savais pas que Gendal faisait la même chose. Mais voilà, ça fait la troisième personne. C'est toujours intéressant à connaître. Voilà, depuis toujours. On le reverra cet été. Gendal reviendra faire un petit clin d'œil. On va lui poser des questions si vous voulez, n'hésitez pas. Peut-être qu'il peut traduire. Il faudra lui demander qu'il traduise. Il commence, voilà, des fois, il a des ressentis, il y a des choses, des messages qui peuvent aller avec certains, mais c'est une impression, une idée, il n'est pas sûr. Ouais, ouais. Et il a fait vérifier ça par des scientifiques une fois, il vous racontera ça, peut-être cet été, il faudra que je pense à lui en reparler. Et effectivement, apparemment, ça pourrait indiquer quelque chose. En tout cas, ils ont retrouvé des infos assez étranges dans ses dessins, dont il n'avait pas conscience du tout. Donc, ouais. Oui. Bah, merci Nora. Le club s'élargit. Au passage. Ouais. Alors, là, autre chose. Voilà. Celle-ci, c'est pas mal de commencer par ça sur les crops aussi. Elle est pas mal aussi. L'observatoire de Shibbleton, donc en Angleterre, c'est un observatoire astronomique. Voilà. Et puis un jour, dans le champ en face, il y a eu deux crop circles. Donc, il y en a un, donc, c'était un visage, et l'autre, un code qu'on va voir plus en détail. Pour la petite histoire, j'ai connu une personne. Alors là, on est plus loin d'Avebury, il fallait prendre la voiture. La personne y a été un jour après. Le champ a été saturé par des barbelés du style « n'entrez pas »,« interdit », »,« patati patata ». Et la personne, elle y a été quand même, donc devant l'observatoire. Et là, l'énergie était très, très particulière. Voilà, donc simplement pour dire que le jour même où c'est sorti, le champ a été ceinturé par des barbelés. Intéressant. Alors, la photo suivante, voilà, on voit un peu plus le détail. Alors, je l'explique, ça fait le tour d'Internet et c'est aussi assez interpellant. Vous savez que à travers... un télescope qui s'appelle Arecibo, on a envoyé dans l'espace un message codé du style « Coucou, nous, êtres humains, on est sur une planète Terre, dans un système solaire, on est les meilleurs, patati, patata ». C'est le message de gauche qu'on a envoyé. Donc, sur le haut, il y avait notre structure ADN, je ne rentre pas dans les détails. En rose, au milieu, c'est la forme d'un corps humain, donc sous forme de l'informatique pour envoyer un message codé. À gauche, la population qu'il y a sur notre planète. Et puis, le système solaire où on voit la position de la Terre sous le bonhomme en rose. Voilà, là, elle est décalée pour dire qu'on habite. Elle est décalée pour dire que c'est la Terre. Voilà, par rapport aux autres planètes du système solaire. Et en bas, on a symbolisé le système de transmission d'Arecibo de manière symbolique. Ça, on l'a envoyé dans l'espace en se disant bah, peut-être qu'un jour, on aura une réponse. C'est déjà vieux, hein. Je ne sais pas si tu as la date, Nora, mais ça fait plus de 10 ans, 15 ans, je ne sais plus trop. Oui, si, je l'ai. Attends, donne-moi juste une seconde, je l'ai. T'as tout en temps réel, Nora, c'est magnifique. Ben, non, mais parce que ce cartouche-là, cartouche m'a intriguée et je l'ai vu dans la boutique. Je l'ai mis dans la boutique aussi parce que je trouvais ça sympa d'avoir le cartouche sur soi, voilà, humain, alien. Ouais. Et donc, dans le cartouche, normalement, j'ai dû mettre des informations dans l'article. Alors, où est-ce que se trouve la partie ? Voilà, bah c'est bien, Spreacher, de nous mettre tout en bas. Donc, l'homme a envoyé le message à Arecibo le 16 novembre 1974 dans l'espace afin de recevoir une éventuelle réponse d'être venu d'ailleurs. Et il, entre guillemets, aurait répondu. Donc, le cartouche alien a été imprimé sur les champs de Shibbleton, pas loin de Werwell, voilà,
Hampshire, Royaume-Uni, le 17 août 2001. Donc, envoyé en 74, voilà. La réponse apparemment sur champ, imprimée sur champ, le 17 août 2001. Et très visible. À côté du satellite qui a envoyé le message, en fait. Alors, vous avez la réponse est intéressante, ça a mis du temps, mais peut-être qu'il fallait aussi que la conscience de l'humanité évolue, c'est ce que je peux imaginer. Donc, vous avez la structure ADN de leur côté qui est différente, donc je ne vais pas l'analyser parce que je ne l'ai pas fait. Beaucoup de silice. Il y a pas mal de silice, je crois. Ouais. Ouais, plus de silice que de carbone. Ouais, c'est ça, c'est un peu la tendance de l'évolution de l'être humain aussi. Donc après le petit corps en rose, eh ben vous avez une grosse tête, un petit corps. Ça ressemble à des choses connues qu'on a vues par ailleurs. La population, je crois que les chiffres c'était plus important que nous. Ah, c'était très très impressionnant. Très impressionnant, ouais, je crois. Ouais. Après un système solaire qui est différent d'une autre, avec des planètes à quatre, une formation à quatre qui est un peu curieuse. Est-ce que ça serait des satellites à côté? Des satellites, voilà, on ne sait pas trop. Ils auraient pu préciser ça, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ils ont décalé beaucoup d'endroits, donc apparemment c'est très habité chez eux, voilà. Pas loin de leur soleil. Et puis en bas, ce que je trouve merveilleux et c'est un sacré clin d'œil, c'est leur système de transmission. Alors nous on a dessiné quelque chose, eux ils ont dessiné autre chose, je ne sais pas trop ce que c'est une espèce d'antenne, mais pour confirmer ça, ils ont renvoyé ce dessin dans le champ de blé. C'est ça qui est complètement dingue, pour dire vous avez bien compris, comme, voilà. C'est peut-être juste après, non? Oui, c'est la photo d'après. Voilà, photo d'après, voilà. Devant toujours le même observatoire, vous avez bien vu, hein. Donc maintenant, on vous le met donc de manière peut-être plus visible pour vous. C'est parti de chez nous avec ce système de transmission et vous avez deux systèmes de transmission face à face. Mmh. Alors, c'est vrai que les gens, y a de quoi devenir fou. Hein, quand vous travaillez dans un observatoire, j'ai eu quelques échos, les personnes ne voulaient pas parler. Elles étaient complètement paralysées par une incompréhension totale. Ça dépassait leur plan mental. Voilà. Donc, vous voyez que ça dérange. Et alors, les petits farceurs, bon, ils en rajoutent une couche. Alors, je trouve ça assez, assez incroyable. Vous voyez que l'information est toujours traitée avec humour, pertinence en même temps. Et c'est ça qui dérange. Et adapté à l'époque, parce que Renaud, non, c'est pas Renaud, c'est Henri qui fait bien de le préciser. Je vous remonte le dessin. Ici, là, on voit un visage qui semble donc être humanoïde. Oui. Et Henri nous dit les pixels sont liés à l'information de l'époque. Donc finalement, par antenne cathodique à l'époque, pixelisée, c'est peut-être un petit peu ça. Ils ont représenté notre façon d'envoyer des images ou de comprendre peut-être. Les images. On peut se poser des questions là-dessus. Oui, oui, oui. Ils se sont adaptés. Comme après, plus tard, avec un CD-ROM, ils s'adaptent. Et il était pas mal, le CD-ROM. Et donc, voilà, beaucoup d'informations dans les champs de blé. Il n'y a pas que les dessins en eux-mêmes. Il y a aussi, semble-t-il, des formes où on est vraiment dans du message. Alors, bon, est-ce que c'est terrien? Est-ce que c'est militaire? Est-ce que vous pouvez garder toutes ces questions ouvertes? Mais là, on rentre dans quelque chose d'assez passionnant quand même. Oui. Yeah. Alors, je crois que c'est la dernière diapo. Donc, en conclusion, je voudrais dire que... Voilà, ça, c'est les prochains voyages. Ah, tu fais bien la plaisir parce que tu y retournes encore. Tu n'as pas peur d'y aller, toi, sur les lieux? Je suis tenace. Moi, j'ai une devise dans ma vie. Je suis tous les jours enseignable. À aucun moment, j'ai la vérité. Je m'en approche, certes, mais je n'aurai jamais la vérité. Et le fait d'y retourner, c'est que je m'approche de cette vérité. Et je sais que cette année, je vais encore apprendre de nouvelles choses, etc. Ne serait-ce que par les groupes et la qualité des personnes qui viennent. Parce que en face de moi, à travers les crop circles, il y a, je dirais, une intelligence qui nous dépasse complètement. Il y a des champs d'information multidimensionnels sur différents niveaux. Il y a la génétique, il y a du symbolisme, il y a de la synchronicité, il y a de l'humour. C'est très très riche. Il y a des grands experts mondiaux qui travaillent dessus, qui eux-mêmes ont du mal à avancer sur le sujet. Et puis à chaque fois, j'ai des surprises. Et dans mes groupes, j'ai des géobiologues, j'ai des voyants, et maintenant j'ai des gens qui traitent du galactique. Bon, c'est tout nouveau depuis un an. J'ai des gens du galactique qui arrivent. Donc c'est très très interpellant. Donc j'y retourne.
Alors bien sûr, la date est quasiment imposée, c'est toujours fin juillet. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le plus de formations. Et la moisson en Angleterre démarre quasiment le 1er août. Donc si vous y allez début août, ça va être dur à voir les formations. On peut encore vivre des expériences, l'énergie est là. Et les gens veulent prendre des photos, voir, marcher, ce que je comprends bien. Donc j'y vais toujours fin juillet. Il y a une grosse demande. Donc j'ai appris il y a quelques jours que le voyage est complet pour fin juillet cette année, sauf s'il y a des désistements. Donc vous pouvez toujours vous mettre en liste d'attente. Et je sais qu'il y a déjà pas mal de gens qui se sont préinscrits pour l'année prochaine. Voilà, ça fait partie de l'aventure et j'aurai plaisir à partager cette aventure avec vous. Toutes les années sont différentes, les groupes sont différents, les crop circles sont différents et les rencontres sont aussi différentes. Donc pour moi, c'est vraiment une aventure. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Philippe, t'en as pas marre, depuis 25 ans, tu fais toujours la même chose. » J'ai dit « Non, je fais toujours des choses différentes tous les ans. » Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette richesse et ça me permet d'avancer, d'ouvrir mes consciences. Il y a des hypothèses qui s'ouvrent et puis j'avance avec ça et je trouve ça passionnant. C'est marrant ce lapsus, t'as dit d'ouvrir mes consciences. Les consciences. Mes consciences, déjà toi. T'es oui. Conscient d'avoir plusieurs choses encore potentiellement oui. Ouvrables dans la conscience. Arrêt, oui, oui. Et puis je rencontre des gens incroyables. Le jour où j'ai rencontré ce mathématicien américain de très haut niveau, parce qu'il donne des formations en remote viewing, la capacité à voir à distance, donc il était formateur de ça, et discuter avec des gens comme ça, c'est assez incroyable. Donc voilà, l'aventure, elle continue. C'est clair. Les amis, sur la partie commentaires sur nurea.tv sous la vidéo, il y a Gundal qui nous fait un petit coucou, donc il nous dit bonsoir à vous trois, Nora, Guillaume et Monsieur Philippe Weber. Merci pour le clin d'œil, je reste toujours autant émue devant les crops qui me parlent effectivement au plus profond de mon être. Merci pour cette belle soirée. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui l'a marqué depuis très 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 longtemps et sur lequel il se pose encore des questions. Mais je vous invite les amis, comme Gundal a écrit, cliquez sur son pseudo parce qu'on est relié à Facebook sur la partie commentaires et allez voir ses dessins directement sur sa page Facebook. Vous allez voir pourquoi à chaque fois que Gundal fait un petit passage sur Nurea et nous partage ses intricités, tout le monde lui dit « t'as un lien avec les crop circles, c'est obligé, ouais. Un truc ». Bah, Gundal, j'ai un message pour toi ce soir. Si un jour tu commences à décoder ou déchiffrer… voilà, cette écriture. Ben, tu me fais signe parce que ça m'intéresse et je pourrais même te mettre en lien avec d'autres personnes pour avancer sur le sujet. Mais le sujet est d'actualité. Merci. Henri qui nous dit « Bonne conférence avec de nouvelles infos vues de microscope des nœuds de blé, par exemple. » Merci beaucoup de nous avoir partagé cette information. Ouais. On n'avait pas encore partagé sur Nurea. Bien vu, Henri. Je ne crois pas. J'ai essayé de creuser un peu plus le sujet, tu vois, Nora. Ouais, bien joué, bien joué. Formations diverses liées aux fréquences, on avance de conférence en conférence. Oui, on n'a pas encore parlé aussi de certains crop circles qui pourraient être comme un mode d'emploi pour fabriquer certains moteurs à énergie libre, ce genre de choses. Les amis, ça va encore plus loin dans les informations. Gundal qui nous dit effectivement, les vibrations sont très fortes. Oui. Voilà. Merci les amis. Alors, je vais prendre des petits commentaires un peu au hasard. Donc, on va voir sur les commentaires si vous avez des questions qui n'ont pas trouvé réponse pendant ce développement. N'hésitez pas. Alors, Pierrot qui nous dit « Bonsoir à tous. Les crop circles ne sont probablement pas d'origine humaine. Mais alors, pourquoi est-ce que les créateurs qui sont visiblement capables d'utiliser un langage, entre guillemets, complexe, ne nous passent pas des messages beaucoup plus explicites de leur origine ?» Clairement, s'il y en a qui écoutent, qui sont sur cette ligne, écoutez Pierrot, ne nous passe pas des messages beaucoup plus explicites de leur origine, clairement interprétables par tous et par exemple sur une surface gigantesque de plusieurs dizaines de kilomètres à plusieurs endroits de la planète en même temps pour finalement nous dire « Coucou, nous sommes là et nous voulons communiquer ». Voilà, oui. Être exogène de je ne sais pas où ou autre, être de la nature ou… L'information est passée, j'approuve. J'ai une réponse à donner par rapport à ça, parce que ce n'est pas lié au crop circle, c'est lié aussi à l'archéologie interdite. C'est qu'aujourd'hui, pour ouvrir les consciences sur un plan collectif, je ne dis pas individuel, parce qu'il y a des gens sur un plan individuel qui ont fait un sacré chemin, mais sur un plan collectif, il faut y aller par étapes et tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, la complexité d'Internet, c'est que vous avez l'information et les désinformations quasiment simultanément. Donc, nous avons à aiguiser notre discernement. Le discernement, c'est une valeur spirituelle importante et on est en plein là-dedans aujourd'hui. Donc, ils le savent. Donc, ils y vont progressivement par petites touches, je puis dire. Les momies de Nazca, c'est pareil. Il y a des choses que l'on va découvrir.
Et je dis souvent au niveau de l'archéologie, parce que le sujet me passionne, c'est que les découvertes archéologiques sont fonction de niveau de conscience de l'humanité. Si le niveau de conscience n'est pas là, on n'arrivera pas à trouver, on n'aura pas accès à certaines portes, etc., etc. Ça sera, je dirais, caché, ça sera inaccessible, et les crop circles en font partie. Donc là, souvent, on a tendance à dire, au niveau des crop circles, qu'on a une bibliothèque d'images absolument incroyable, qu'on va déchiffrer peut-être pendant plusieurs générations pour avancer sur le sujet. Ils nous ont donné beaucoup de choses. S'ils nous en donnent encore davantage, ça devient vraiment indigeste, parce qu'on n'a pas encore su déchiffrer ça, donc ils nous disent bah allez au boulot parce que on a encore plein de choses à vous communiquer. Donc je pense qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir eu beaucoup d'informations, que ensuite le décodage va se traduire par l'archéologie. C'est un sujet que je suis de près, que ce soit l'Égypte, le Pérou, le Mexique ou ailleurs, on va découvrir des choses absolument incroyables par le biais de l'archéologie, et que le phénomène crop circle, je pense, a eu son temps, parce que là, il décroît doucement, mais c'est comme si on était dans une phase, je dirais, de saturation, où on n'avait pas tout compris, et que ça va être repris par le biais de l'archéologie. Enfin, c'est la vision que j'ai, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à l'archéologie. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Eléenda qui dit « Je reposte au risque de troller la page ». Alors, excuse-moi parce que je viens juste de le voir, Eléenda. Question de Jean Alcazar sur Facebook. « Au même titre que les intricités personnalisées de Gendalf, a-t-il été reporté que des reproductions de certains crop circles provoquent des effets psychiques ou mentaux sur les gens ? Si oui, quels crop circles et dessins particuliers ont été notés comme ayant ces effets ? Toi qui allais beaucoup sur place, est-ce que tu as ressenti des choses physiques ou psychiques ?» Oui, alors le sujet est à nouveau très très large. Avec mes groupes, je fais des nouvelles expériences à chaque fois. Je rentre en aveugle dans un crop circle et je leur dis quel est le chakra qui rentre en résonance avec le crop circle, donc du premier au septième. Et je m'aperçois avec beaucoup de surprise que le groupe me dit à 80% tel chakra. Donc, ça veut dire qu'il y a une résonance énergétique entre le crop circle et les chakras. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a des personnes qui me disent « Je me sens tellement bien dans ce crop circle que je ne veux plus partir. » Le temps, donc, on perd la notion de temps hein, dans un crop circle. On ne sait pas si on est resté 5 minutes ou une heure. Hein. C'est vraiment une réalité. On est tellement bien qu'on médite, on est sur d'autres plans de conscience, comme si on était informé sur des plans subtils. Il y a des personnes qui trouvent l'énergie trop forte, qui ressortent. Voilà. Il y a vraiment tous les cas de figure, mais je dirais ça reste personnel. Et là, depuis 3 ans, l'expérience la plus marquante, c'est au niveau des chakras, où je m'aperçois qu'il y a des crop circles qui sont à caractère féminin, d'autres masculins, tel chakra, telle guérison. Il y a des choses qui se passent et je le fais avec mes groupes, ça. Ok, merci beaucoup. Et Jean Alcazar qui venait donc de poser cette question que Eléenda a pu attraper sur Facebook pour nous la partager sur le site, qui vient juste d'arriver. Bienvenue. Félicitations, tu as réussi à retrouver l'espace des commentaires et des questions à la fin de l'émission, mais au moins tu seras prêt pour la prochaine. Oui, ça va marcher. Et merci pour ta question très intéressante, Jean. Laurent qui nous dit vraiment bonne conférence. Le sujet est comme toujours avec Philippe, très intéressant. Merci beaucoup pour ces informations utiles et indispensables. Gundal qui te dit merci, monsieur Philippe Weber, j'y manquerai pas si j'ai des informations. Bonne soirée à vous. Oui, merci, oui. On reste en contact. Anna, merci Philippe pour cette conférence. On avance. Et coucou à Gundal. Et Marie qui nous dit merci beaucoup à Philippe pour cette émission. Merci Nora, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'étais sur les crops l'année dernière et c'était une incroyable expérience. Oui. Merci beaucoup. Gros bisous à Rosa, Henri aussi qui a participé lors de cette émission et qui nous a permis de préciser les choses à un moment de l'émission. Donc, c'est vraiment important. Si vraiment on peut passer sur quelque chose et que vous estimez que ça a une importance d'une façon ou d'une autre, dites-le nous. Si vous avez des compléments d'informations, n'hésitez pas. C'est un travail d'équipe, un travail de recherche. On fait vraiment une route. On essaye de trouver la vérité. On trouve plusieurs vérités et je pense que tout est lié. Donc, effectivement, et ce dossier relie tellement d'autres choses. On ne pouvait pas passer à côté et on risque de le revoir sur Nuria TV de temps en temps. On va faire un petit focus sur les crop circles parce que là, on a de la matière, il y a quelque chose et c'est toujours intéressant d'avoir cette base-là. Anne-Lo qui dit merci à vous deux pour cette belle émission et un gros bisou à Renaud aussi qui était dans le coin. Comme si tout allait très bientôt être dévoilé de Renaud. On espère, après le bientôt, hein,
Le temps, c'est difficile de, pour certains, parce que c'est très relatif. Ouais. Donc, le bientôt de certains, c'est peut-être, je sais pas, 100 ans pour d'autres. Donc, ouais, c'est vrai que c'est assez frustrant. Parfois, on se dit, bon, allez, on arrête maintenant. On signe le crop, on dit, voilà, c'est nous, ou voilà, c'est machin. Ou voilà, c'est même à se demander s'ils sont pas en train d'utiliser la planète comme un papier. Ils se parlent entre eux, tu sais. Ouais. Ils tweetent sur la planète et ils discutent entre eux. Voilà, si... Il existe des êtres exogènes sur la planète, parce qu'on est bien d'accord maintenant que la possibilité d'une vie extraterrestre, oui, c'est extrêmement probable. Ce serait vraiment très étrange qu'il n'y en ait pas maintenant sur la planète. C'est encore autre chose. Et qui chatte avec nous. Alors là, c'est vrai, oui, que ça fait beaucoup. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'informations, de pouvoir en discuter, de pouvoir en parler librement et de rester surtout, comme on vous répète depuis le début de Nuria TV, comme c'est inscrit sous chaque vidéo, voilà, je le répète en faisant un petit lien avec le début de l'émission, c'est important que vous puissiez vous aussi fouiller de votre côté parce que nous sommes en direct. Tout ne peut pas être dit sur un direct où on peut pas passer sur plein de précisions, peu importe le sujet, peu importe l'intervenant et tout le travail que vous faites pour à chaque fois nous partager des informations comme tu as travaillé ce soir pour nous centraliser beaucoup d'informations sur les crop circles et avoir une bonne base une nouvelle fois sur Nuria TV. Je t'en remercie beaucoup, Philippe. Rien ne vaut mieux que ses propres recherches à soi. Donc, Nuria TV, comme d'autres médias, ce sont des plateformes qui vous permettent d'avoir une information différente et dans une bonne ambiance. C'est vrai que c'est très bienveillant sur Nuria TV parce que c'est pas la peine de s'énerver. Les sujets sont déjà assez clivants pour certains, pour se prendre la tête en plus. Et si on peut chercher avec aussi beaucoup d'humour et partager des bons moments, ça, c'est le top. Et là, on passe des super bons moments. Mais cherchez, allez fouiller. Et si vous trouvez des choses, s'il vous plaît, partagez-les sur les commentaires en complément d'information. C'est extrêmement important parce que, voilà, tu peux pas être sur tous les crop circles. Moi non plus. Donc, et tu as aussi ton approche personnelle quand tu passes sur les crop circles. Et je sais aussi que dans ton groupe, il y a des personnes qui captent et qui sentent différentes choses. Et c'est tout ça qu'il faut recentrer, rapatrier, comme certains scientifiques qui vont se pencher sur la matière ou sur le lieu ou autre chose. Ou sur, par exemple, comme on l'a vu au début, sur la géométrie sacrée qu'il y a dans les nombres d'or. Il y a tellement de dossiers, c'est tellement varié ce sujet qu'il faut beaucoup, beaucoup de chercheurs. Et voilà, c'est juste un bonheur de pouvoir vous permettre d'avoir une plateforme sur laquelle vous pouvez relâcher toutes ces informations. Et après, les amis, chez vous, n'hésitez pas à vérifier. Et on le dira tout le temps, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête sur les étoiles. Et la tête dans les étoiles, sur les étoiles. Tu vois, moi, je suis déjà sur une autre planète, là. Tu vas vite, Nora. J'ai visualisé le truc, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Alors ce soir, ça a été les crop circles avec un démarrage les pieds sur terre. Mais comme à chaque fois pour les crop, effectivement, ça nous amène la tête dans les étoiles. Est-ce que tu aurais une conclusion là-dessus, Philippe, sur les crop? Oui, ben moi ce soir, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce diaporama. J'ai simplement voulu vous ouvrir peut-être des nouvelles portes sous l'angle de la science pour que vous puissiez continuer à pousser la porte. Je suis entièrement d'accord avec l'esprit de Nuria. Cherchez par vous-même, car c'est en cherchant que vous allez pouvoir trouver votre propre vérité ou vous approcher de votre vérité selon votre niveau de conscience et votre évolution. Voilà, donc j'ai ouvert quelques petites portes. Si ça vous parle, eh ben, allez plus loin. Je m'intéresse à plein de sujets. C'est pour ça que j'interviens assez souvent sur Nuria. Et à travers ces sujets, ben, je sais qu'il y a des consciences qui vont s'ouvrir, que ce soit les crop circles, les dauphins ou autre chose, peu importe. Ça fait partie de l'expression de la vie et je suis là pour vous accompagner avec beaucoup de plaisir. Et on va finir sur Héraclès et son complément d'information. Merci, au top, t'es super réactif, qui nous dit « Des analyses toxicologiques concluent que la surchauffe des blés est causée par des micro-ondes. Bien que la lumière et le son soient de nature différente, je me demande si une technologie peut utiliser le son pour guider les micro-ondes, tel un laser 2D pour structurer les crops. » Complément d'information, une nouvelle question. Merci. Une bonne nuit, les amis. Bonne nuit. Merci, Héraclès. Merci à tous. Merci, merci à vous. Et merci pour vos coups de main pour la chaîne, pour nous aider à diffuser ces informations. On est encore sur l'objectif sur Tipeee des 3000. On y est bientôt, encore une quinzaine de pourcents, on va dire, hein, pour être plus positif. Merci à tous ceux qui pensent, qui passent par là ou via le site. On va faire quelque chose d'assez sympa pour communiquer et échanger tous ensemble. Donc voilà, on compte sur vous. Nous, on avance le dossier de notre côté. Et petit message aussi, s'il y a des êtres exogènes qui passent par les fluctuations bancaires, n'hésitez pas, hein, tant que vous
vous y êtes, hein, entre les crops et un coup de main sur Nuria, pourquoi pas ? Voilà, d'une façon ou d'une autre, ça peut aider. Voilà, je dis ça parce que j'ai fait une affiche il y a quelques temps où justement j'ai mis un ovni, donc je vous la partage tout de suite. Et je vous embrasse très très fort les amis, passez une bonne soirée et à très vite sur Nuria TV. Ciao tout le monde. Bonsoir à vous.